Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Les lumières sont là, le fond est là. La magnifique intervenante qui va nous époustoufler de ses mots est là. Vous ne la voyez pas encore, mais elle est là, fin prête à échanger et disserter ensemble sur le thème du leadership. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle soirée du Sommet Leader Time, un Sommet Leader Time désormais tellement riche en personnalité, en approche, en expérience de vie. Et on va continuer encore ensemble ce soir à travers ce défi que Martin Latulippe m'a confié que de créer quelque chose autour de 50 nuances de leadership. Alors, on n'en aura peut-être pas 50 directement dans le cadre de sommet, mais on en a en tout cas 14 belles approches et ce soir notamment deux particulières. Et notamment, là, je suis très très heureux d'avoir notre première intervenante de ce soir, puisque j'ai eu la chance de partager la scène d'un TEDx à ses côtés. Elle était speaker, je l'étais également. Et puis, elle est également une conférencière VivaVox. Je vous rappelle que VivaVox est partenaire de cet événement et permet qu'il soit possible. Elle va nous parler philosophie. Alors, on pourrait se dire comme ça, mais la philo et le leadership. La philo, est-ce que c'est simplement cette matière qu'on avait l'année de la terminale et puis finalement on arrête? Ou bien la philo, est-ce que ça a à voir avec le leadership et l'expression de soi dans tous les sens du terme? Et en fait, il n'y a pas de meilleure personnalité en francophonie que Laura Lange pour venir nous aider à creuser et à observer ces sujets. Donc, je vous invite vraiment à accueillir chaleureusement mon invitée, ma première invitée de ce soir, Madame Laura Lange. Merci, merci Nicolas pour ton invitation. Bonsoir à tous. C'est un plaisir de clôturer déjà la semaine avec cet échange. Et puis aussi pour ma part de faire une petite parenthèse puisque c'est la dernière intervention que j'aurai vraiment avant de partir en congé maternité. Voilà. un dernier rendez-vous doublement savoureux à tes côtés puisqu'on avait effectivement partagé un TEDx. Fort et riche en expérience. Voilà. Je valide, fort et riche en expérience, et je valide d'autant plus que moi, c'était mon second TEDx et qu'il a été très intense pour ma part, très challengeant aussi, j'ai pas honte de le dire, parce qu'il m'a amené à creuser des sujets très personnels, et du coup, en ce sens, c'était aussi une belle expérience. Alors, on peut saluer Lisa Véro. Alors, Lisa Véro, pseudonyme sur YouTube, je ne sais pas si c'est Lisa ou si c'est Véro, ou ce sont les deux. Laurent, Céline, Antonia, Kin, à nouveau là, Fabrice également, Frédéric, Fabienne, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, merci d'être là au rendez-vous. Et surtout, merci à toi Laura, parce qu'effectivement, tu as cette échéance qui vient, qui se présente, qui est majeure dans ta vie et qui d'ailleurs t'a amené à beaucoup réfléchir sur toi et sur ce sujet de la maternité. Peut-être aurons-nous l'occasion d'en parler ce soir. J'aimerais bien que tu puisses te présenter et te décrire, parce que c'est pas tous les jours quand même qu'on a affaire à un ou une philosophe. Alors, qui es-tu à proprement parler? Ben écoute, Laura Lange, comme tu l'as dit, philosophe. Alors j'ai toujours du mal avec je suis philosophe. Je trouve que ça veut tout dire et rien dire. J'ai toujours du mal avec les phrases qui commencent par je suis, hein, qui me définissent ou me définiraient dans quelque chose. Je suis mariée, je suis un tel, comme si nous n'étions plus autre chose que ce qui suit après le je suis. Ça, c'est mon côté existentialiste, j'y reviendrai. Mais alors, pour faire simple, j'invite plutôt à prendre de la hauteur. J'aime bien dire ça, apprendre les choses avec philosophie, plutôt que dire je suis philosophe. Et d'ailleurs, on ne le voit pas, mais le décor est plutôt authentique, puisque j'ai la chance d'être en montagne. Donc en plus, je prends de la hauteur concrètement, voilà, de par le lieu où je suis. Donc voilà, je fais de la philo, et effectivement, comme tu l'as dit, je fais de la philosophie dite pratique. En tout cas, j'ai un doctorat de philosophie pratique. Et ça, c'est intéressant parce que. Voilà, les mots, on vient les juxtaposer pour essayer de donner du sens. Et la différence entre la philosophie et la philosophie pratique, en fait, c'est juste une manière de dire que la philosophie que je pratique, eh bien, j'essaye vraiment de me frotter à des problématiques de société. C'est moins de l'histoire de la philosophie, bien que j'adore les grands auteurs, évidemment. C'est plus finalement une philosophie en pratique qui va se frotter à des problématiques telles que la maternité, telles que le leadership, telles que, etc., etc. Voilà. Ok, alors tu sais, ce thème de la philo, il n'est pas aussi majeur dans ma vie qu'il l'est dans la tienne, et c'est pour ça que tu es l'experte ce soir sur ce sujet-là.
Et en fait, ça me fait penser à... C'est marrant, je l'ai toujours retenu, ce passage-là d'un film qui s'appelle Noce Blanche, avec Vanessa Paradis et Bruno Kremer. Et à un moment donné, Bruno Kremer incarne le prof de philo dans ce film, et Vanessa Paradis lui dit, en gros, la philo, ça ne sert à rien. Et il lui dit quelque chose en substance, je ne reprends pas mot à mot, qui est, bon, la vie, c'est tu nais, tu t'agites et tu meurs. Eh bien, écoute, sache que la philosophie est là pour t'aider à mieux t'agiter. Qu'est-ce que tu penses de cette approche-là ? Ah oui, c'est super. Alors déjà, j'adore la phrase de Vanessa Paradis qui dit « ça ne sert à rien », parce que déjà, on part du présupposé qu'il faudrait que tout serve à quelque chose. C'est déjà quand même pas rien. Voilà, c'est quand même vraiment intéressant. Il faudrait que tout soit absolument utile. Je crois que parfois, on perd son temps et on en gagne beaucoup. On a le sentiment d'en perdre alors qu'en fait, on fait des bons. Donc ça peut être aussi intéressant. Sur le mot en tant que tel, je crois que la philosophie, c'est évidemment ce qui nous permet de bien vivre, d'être bien. On parle beaucoup de bien-être aujourd'hui. Je crois que la philosophie, plus encore, nous permet d'être bien. Et donc, alors là, on peut avoir du bien-être en plus, c'est top. Mais peut-être pour donner un peu de corps à tout ça, tu l'as dit au début, moi, je suis très sensible aux mots. Au mot M-O-T-S, hein, pas M-A-U-X, évidemment. Mais je suis convaincue que la plupart des mots que nous rencontrons au travail, dans la vie, relationnelle, sont liés ou partent des mots M-O-T-S que l'on utilise que trop mal ou qu'on ne clarifie que trop peu. Et celui de philosophie, je ne peux pas commencer sans le clarifier. Quand on me dit je suis philosophe, d'ailleurs si je te demande ou si on demande aux internautes est-ce que vous avez des philosophes en tête, on va voir qu'on va peut-être en avoir plusieurs et qu'on est tous très différents. Donc, ça signifie qu'il y a un même mot et des incarnations différentes. Et quand on revient au mot philosophie, ça vient de Philène et Sophia, et ça veut dire l'amour de la sagesse. Je ne sais pas si on se connaît peu, mais quand même, je tente d'être sage, mais franchement, je ne le suis pas toujours. Alors, tu vois, c'est un très beau mot, l'amour de la sagesse, hein. Vous ouvrez un dictionnaire, voilà, c'est la façon dont on va trouver la définition de la philosophie dans un carnet. Mais j'aime beaucoup cette phrase de Pierre Réverdi, qui est poète, qui nous dit « il n'y a pas d'amour, il y a que des preuves ». Du coup, tu vois, moi je passe de la définition du carnet à l'incarné. Comment je peux prouver que j'aime la philosophie, comment je l'incarne. Et la philosophie, depuis toujours, si on sort de l'amour de la sagesse qui fait peur, un peu, on se dit, mais attendez, oh, c'est idéal, on ne sera pas à la hauteur. Très intéressant ça, je ne suis pas à la hauteur d'un philosophe. Alors qu'en fait, quand on passe dans l'incarné, on voit que la philosophie, depuis toujours, s'est incarnée. Depuis l'Antiquité, elle est au service de la cité, elle est au service des citoyens, des gens. Et le manuel d'Épictète, les pensées de Marc Aurèle, les lettres de Sénèque, bref, tout ça, c'est non pas des recettes pour bien vivre, parce que ce serait nous mettre en consommateur, mais il y a des clés pour mieux se sentir. Et donc voilà, la philosophie, c'est évidemment quelque chose qui nous permet de nous agiter. Je commencerai par agiter les méninges, déjà, et ensuite, on va pouvoir mieux vivre. Voilà peut-être pour l'idée. Bon, de toute façon, je savais, hein, je le savais en t'invitant ce soir. Je savais que ça allait être tout feu, tout flamme et que tu allais ouvrir des sujets dans tous les sens. Et c'est ça qui est vraiment chouette parce qu'on n'a pas besoin de préparer à l'avance. Y a tellement de choses. Il y a le fait que l'enjeu est d'incarner, mais en même temps, paradoxalement, tu ne te définis pas comme être philosophe. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Tu nous dis aussi, parfois, on peut se sentir pas à la hauteur des philosophes et en même temps, un des enjeux de la philosophie, tu nous l'as dit en préambule, c'est de prendre de la hauteur. Ouais, c'est absolument magique. On ne se sent pas à la hauteur d'être dans la posture de prendre de la hauteur, d'en prendre tout simplement. Et puis, des recettes pour bien faire, est-ce qu'il ne s'agirait pas en fait de se doter de recettes non consommables, j'ai bien entendu, mais pour bien être en fait au final? Oui, alors après, dans la problématique des recettes, où ça cartonne hein, tout ça, hein, quand tu vas dans un rayon de librairie, tu as beaucoup de livres où on te donne les clés pour mieux être et pour bien vivre. Le grand risque de tout ça, c'est de te dispenser de faire le cheminement et le travail et de te poser en consommateur. Finalement, tu appliques des recettes puisque tu es réellement impliqué dans la démarche. Et c'est pour ça que, si tu veux, je suis toujours un peu prudente. Pour moi, apprendre, prendre les choses avec philosophie, c'est quelque chose qui se cultive au long cours. Et pourquoi j'aime pas la formule vraiment du « je suis », mais on parle du leadership aussi. Comme dire « tu es leader », tu le sais, ça n'a aucun sens. Tu es leader un temps,
mais jamais tout le temps. Et dans certains contextes. Tu vois, si tu te considères et définis comme un leader, il n'y a pas plus périssable qu'être leader. Si tu ne l'entretiens pas, on le sait, tu peux être leader un temps et être très ringard juste après. Il y a beaucoup d'exemples au cours de l'histoire de gens, je taquine, hein, mais Nicolas Dupont-Aignan a été leader de Debout la France. Bon, aujourd'hui, il y en a peu pour dire que c'est un leader. Voilà, tu vois, l'idée, c'est de se dire, attention, comme si on avait acquis quelque chose qui nous définissait. Non, on doit continuer. Je suis sportif. Ah bah oui, mais bon, si tu ne t'entretiens pas, ça ne va pas durer longtemps. je peux en témoigner. Ah non, j'ai jamais aucune. Non, c'est moi. Non, mais tu vois, voilà, l'idée, c'est ça. Et en fait, c'est que la philosophie, c'est prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur, vraiment, au-delà de la formule qui joue sur les mots, je donne souvent cette image hein, du poisson volant. J'aime beaucoup l'image du poisson volant parce que, par définition, si on se représente un poisson volant, il est obligé de retourner dans son environnement. Tu ne peux pas le visionner en suspens. Oui. Et je trouve ça intéressant de se dire, attention, si philosopher, c'est adopter cette posture, ça ne peut être que retourner dans son environnement. Or, on reproche parfois aux philosophes de rester perché. Très juste. Et ça, si tu veux, c'est pour moi essentiel. Quelqu'un qui pratique la philosophie, par définition, il prend de la hauteur et il se rend auteur de cette démarche et il retourne dans son environnement. Donc, il ne peut pas rester perché. Donc, il est accessible en un sens. Tu vois, ça, c'est vraiment, pour moi, en tout cas, c'est la conception que je me fais de la philosophie, d'une philosophie incarnée, qui est donc à la hauteur des problématiques que nous avons et qui nous invite à en converser. Voilà. Exactement, ce que nous allons faire ce soir. Voilà. Il y a une dimension qui est très importante en philosophie grecque, me semble-t-il, mais tu me corrigeras, même si à la limite, ce n'est pas le sujet. Ce qui nous intéresse, c'est la philosophie pratique de maintenant. C'est la dimension de l'arrêter, A-R-E accent aigu, T-E accent aigu, qui désigne l'aptitude à faire quelque chose, le pouvoir de remplir parfaitement une fonction, d'accomplir une tâche jusqu'à l'excellence. Et en fait, je ne suis pas philosophe et... stop, j'enlève cette phrase. Non, mais attends. Je le dis, hein, quand même. Qui va arriver. Je travaille à déployer mon leadership, ce qui veut dire m'employer, tel que tu l'as dit là, à être le plus souvent et le mieux possible, tout en acceptant d'être un champion de l'imperfection à la hauteur des événements qui se présentent à moi. Pour autant, j'avais lu que Aristote nous disait que c'est en fermant un gap qu'on va pouvoir vivre un état d'accomplissement et de tranquillité pour nous. Et ce gap, c'est s'élever entre qui je suis moi à l'heure actuelle et aller vers la meilleure version que je pourrais devenir. Et il me semble que c'est quelque chose d'ordre philosophique et qu'on pourrait, pour le coup, vraiment être dans cette logique d'incarnation, de praticité et donc dans ce qui m'anime avec mes mots à moi de constitution de notre leadership. Quel est ton sentiment par rapport à ça, Laura? Alors, ce que je trouve très intéressant, c'est que ce meilleur dont tu parles, cette élévation-là, on est dans une période propice pour en parler d'ailleurs, c'est plus qu'un souhait ou qu'un idéal ou quelque chose qui serait presque extrême. Hein. Il y a une pondération à chaque fois chez quelqu'un comme Aristote, il y a une mesure, un équilibre. Et c'est hyper intéressant parce que parfois, nos idéaux sont hors de portée. Alors, c'est intéressant de savoir, en même temps, ce qui est devant toi n'est pas totalement à ta portée, mais quels moyens tu vas te donner pour pouvoir y arriver. La grande difficulté, c'est que parfois, tu as des gens qui vont te dire, alors moi, vraiment, je me rêve là, mais qui, dans le quotidien, ne font pas grand-chose pour y arriver. Ce qui peut parfois être très troublant ou dérangeant. On se dit, attends, à un moment donné, il y a une absence de cohérence. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la distinction, me semble-t-il, entre ceux qui, on parle souvent de ça, hein, est-ce que je rêve ma vie ou je vis mes rêves, mais il y a la notion de je souhaite des choses que je n'incarne pas. Et tu sais, les souhaits, si on y pense, ce sont souvent des souhaits à venir. Chaque année, ils reviennent. On ne les réalise jamais. Voilà. Le coup des résolutions. Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, comment tu fais pour qu'un souhait soit à tenir? Chez Aristote, le souhait ne serait pas à venir, il serait à tenir. Pourquoi? Parce qu'il serait de l'ordre de la volonté. Et c'est là que ça change tout. Le souhait peut avoir la folie des grandeurs. Mais tu peux te donner les moyens de répondre à celle-ci. Et donc, c'est là qu'il y a quelque chose d'intéressant. En somme, petit jeu de mots, mais franchement, qui a du sens. En somme, comme tous les jeux de mots, ils ont tous du sens. J'essaye de faire en sorte que la forme soit au service du fond. En somme, si tu veux, c'est un vœu
V-O-E-U, qui sonne comme un vœu, V-E-U-T, où c'est vraiment la volonté qu'il incarne. Et là, si tu veux, on est vraiment dans quelque chose où tu te souhaites le meilleur, mais tu fais en sorte qu'il arrive. Et ça, je pense que c'est une élévation où tu es acteur de tout ça. Et c'est la grande différence. Et c'est ce qui fait que, et c'est ce qui fait que parfois tu crois en des gens qui te disent des choses et tu te dis, mais attends, oh! Mais en même temps, tu me sembles tellement être un battant que je pense que tu peux y arriver. Et c'est ça qui est intéressant. Ça reste la politique des petits pas. Et oui. Moi, je crois beaucoup en ça. Tu sais, c'est l'image de l'iceberg avec le talent en haut et le travail en dessous. Bon, ben voilà, ben c'est ça au final. Voilà l'idée un peu, tu vois. Ouais, je vois bien l'idée. Et en fait, ce qui est super, c'est que dans ce sommet, je l'offre ce sommet pour les internautes, pour les gens qui nous regardent. Et en fait, je pense que j'en prends autant, voire plus qu'eux, et j'en apprends ou en confirme des choses autant encore plus qu'eux. Parce qu'en fait, à mes yeux, tu donnes une définition qui, moi, me parle avec beaucoup d'intensité sur ce que j'appelle le dépassement personnel. J'ai déposé à l'INPI le dépassement personnel. Tout le monde connaît le développement personnel, cette capacité à donner le meilleur d'entre nous. Et le modèle qui est le mien et qui résonne à travers ce que tu dis de façon magnifique, c'est le principe des 3 A. Premier A pour s'autoriser à voir grand. Autrement dit, tu nous dis cette vision très loin et très grande de ce qu'on pourrait faire. Le deuxième, c'est accepter le prix à payer pour pouvoir atteindre ça. Et donc, cette fameuse PPP, la politique des petits pas pour y arriver, le travail quotidien. Enchâsser dans la foulée, le troisième A, qui est l'action massive sans laquelle on ne peut rien. Et en fait, typiquement, c'est cette question. Si, par exemple, tu sais que le basketball est quelque chose d'important pour moi, si, par exemple, un jeune vient me voir en me disant « je rêve d'aller jouer en NBA », dans le pays dans lequel on est, on aurait tendance à faire que ce vœu, pour reprendre ton terme, on le minimise. « Oh, tu rêves déjà en première division de France, ça serait bien, etc. » Et en fait, la véritable question, me semble-t-il, c'est « tu aspires à ça ? Ok, très bien. » Maintenant, y a-t-il cohérence ? Et d'ailleurs, tu as fait des jolis posts récemment sur cohérence et co, plus loin, errance, e, ANCE, je te suis, tu le sais. Est-ce que tes actes sont en cohérence avec ça ? Parce que si tu es prêt d'accepter le prix à payer, de mettre l'action massive pour être en cohérence avec ce que tu vises, la vie est belle et peu importe l'aboutissement d'ailleurs, mais en tout cas, tu te donnes les moyens de ton potentiel. Tu seras gagnant quoi qu'il en soit. Exactement. Et si en fait, tu ne te donnes pas les moyens, ça n'est pas grave, c'est OK. Simplement, arrête de poursuivre un enjeu qui n'est pas à la hauteur de tes engagements. Ça serait donc ça la philosophie pratique alors, Laura ? Bah, en tout cas, il y a des voies d'accès dans ce que tu dis. Parce que tu vois, la philosophie pratique, justement, si elle se pratique, c'est qu'elle va accueillir le réel, différentes façons de cheminer. Et tu vois, tu viens de parler des 3 A. C'est très intéressant. C'est-à-dire que tu as identifié ces 3 A qui te dirigent, en fait. C'est une façon de, finalement, éclairer le sentier, si je donne une image. Et tu vois, si tu me permets de rajouter un A. Je souhaite que tu rajoutes. Alors moi, il y a un A que j'adore, et c'est celui qui me conduit, c'est l'autorité. Mais alors, ça paraît être un gros mot, mais quand on va parler de leadership, de leader et tout, c'est énorme. Enfin, l'autorité, c'est quelque chose, en tout cas, je trouve de très important. Moi, j'ai l'impression qu'au cœur de tes 3 A que tu as, il y a un ciment. Et c'est peut-être celui de l'autorité. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce que c'est que l'autorité, ou du moins un principe d'autorité ? L'autorité, c'est déjà quelque chose qui vous apparaît légitime. Ça vient de auctoritas. Ce qui fait autorité pour vous, c'est ce qui vous apparaît être légitime. Un bon prof a pu faire autorité. C'est un pouvoir que vous lui reconnaissez. Il n'est pas écrasant, il est impliquant. Ça change tout. Donc, l'autorité, c'est déjà quelque chose qui vous apparaît légitime. Ensuite, ça renvoie à augérer, augmenter. Et à auctor, auteur. Ce qui fait autorité pour vous, c'est ce qui vous est légitime, ce qui vous augmente et vous rend auteur. Et pour réussir à viser la NBA, donc être augmenté, tu vois, avec ce cheminement-là, et je pense qu'il faut un principe d'autorité, c'est-à-dire ce qui fait autorité pour moi et qui va donc me donner envie de, enfin, me faire en sorte que je vais avoir les moyens, me donner les moyens de servir ce principe-là, c'est ce en quoi je crois. Et comme les mots sont beaux, j'y crois, donc je crois, j'augmente. Wow. Donc, moi, la notion d'autorité, elle est partout dans ma vie. C'est un mot qu'on met beaucoup de côté, mais je pense que le déclin de l'autorité que l'on vit dans plein de choses, dans plein de domaines, est alarmant. Parce que autant le pouvoir peut être écrasant, autant l'autorité, elle est impliquante. Et sans autorité, nous n'avons plus de repères. Et ça, c'est fondamental. Si tu veux aller à un endroit, tu as besoin de repères. Un principe d'autorité, c'est ce qui t'augmente, te rend auteur et te permet de cheminer jusqu'au point
de mire que tu avais visé. Donc voilà, tu vois, ça, moi, c'est vraiment le A moteur total, quoi. Merci de me rajouter ce quatrième A. Je pense qu'à France, on peut faire l'équivalent d'un alphabet en A, parce que oui, c'est ça. Bon basketteur que je suis, je vais rebondir de ton A d'autorité pour aller vers le A de l'authenticité, qui, de ma définition à moi, et je l'ai dit, je crois, lors de la première soirée du Sommet Leader Time, la capacité à se reconnaître par sa propre autorité, être reconnu par sa propre autorité, c'est-à-dire ne pas attendre que les autres nous définissent et nous emmènent dans un cadre, d'une part, et ne pas surjouer, fantasmer, comme d'ailleurs on peut le voir dans les réseaux sociaux, quelque chose afin de faire briller maladroitement et artificiellement le regard des autres. Comment tu vois le sujet de l'authenticité, toujours en relation avec ce sujet et du leadership et de la philosophie qui t'anime ? Alors, je rebondis sur la cohérence dont tu as parlé. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus grave et dommageable de manière générale, hein, que ce soit dans nos cercles familiaux, amicaux ou professionnels, des personnes qui se disent authentiques et où finalement tu as le sentiment qu'il y a une trahison. On n'est pas dans la traduction de l'être et du paraître, mais il y a une forme de trahison. On ne dit pas la vérité. Sans être totalement dans le vrai, l'authenticité, pour moi, c'est vraiment une cohérence entre ce que je fais, ce que je dis, ce que je pense. Tu vois, il y en a qui l'appelleront congruence, il y en a qui l'appelleront... Alignement, un autre A, alignement. Voilà, et la phrase que j'avais partagée, c'est justement que l'absence de cohérence crée de la cohérence. Et en fait, les gens qui sont en face ne savent plus du tout sur quel pied danser. Et c'est ce qui est dommageable parfois sur les réseaux sociaux, tu as des gens qui s'inventent une identité. Et tu les rencontres dans la vie et tu te dis « waouh ». Et c'est pour ça, tu vois, que pour rebondir aussi sur le côté leadership, je pense qu'un leader qui serait que dans le rôle et dans la facette et que dans quelque chose qui finalement n'est pas vraiment ou est habillé, voilà, tu as le rôle de leader, mais finalement, tu peux avoir le rôle de leader sans avoir de leadership, ce qui est absolument terrible. Tu as des gens qui sont mis en avant et qui n'ont aucun leadership. Personne ne leur reconnaît le poste qu'ils ont parce qu'ils y sont soit pour des mauvaises raisons, soit parce qu'ils l'habitent mal. Il y a vraiment cette question-là. Donc, pour moi, l'authenticité, c'est une question d'alignement et ça renvoie à l'autre, hein, profondément, parce que quand on n'est pas authentique, ça part de soi, mais c'est aussi une trahison vis-à-vis de l'autre. Donc, c'est très dommageable dans les rapports humains, l'inauthenticité. Voilà. Oui, l'inauthenticité, exactement. Et moi, ça me renvoie à un autre terme. Alors, cette fois-ci, il est plus en A, on va lâcher les A, peut-être qu'on y reviendra, on verra bien. Allez, jusqu'à Z, hein, ce soir. Et oui, on doit faire 50 nuances de leadership, donc là, on va aller sur 20. J'ai eu peur, d'ailleurs, pour le début, j'ai eu 50 nuances. J'ai dit, attends, j'ai pas bien relu l'invitation, qu'est-ce que c'est ? On va y aller vite. C'est ça. C'est ça. C'est la question du charisme. Je l'ai évoqué en partie à un moment donné de ce sommet, parce que pour moi, c'est un enjeu que, pour travailler notre leadership, d'être dans un charisme qui est important. J'en ai ma définition et j'aime confronter, échanger positivement avec toi sur ce sujet-là. Quel est ton regard, ton acception de ce charisme ? Ça te dit quoi de ton côté ? Le charisme, ça me renvoie, alors je sais pas, il y a un peu, on pourrait dire, de l'inné de l'acquis, c'est-à-dire des gens qui vont avoir assez naturellement... une certaine prestance, des choses qui se cultivent évidemment, mais tu as des gens qui ont la chance d'avoir une voix, par exemple, une taille, etc., des choses qui ne sont pas vraiment de l'ordre de leur propre chef, mais qui vont les imposer comme potentiellement un peu chef dans un groupe parce qu'ils ont des atouts. Mais je pense qu'on ne peut pas se reposer sur le laurier de ses acquis qui seraient les innés, du coup. On ne pourrait pas vraiment se reposer sur ça, ou en tout cas que sur ça, puisque le charisme, je pense que c'est aussi quelque chose qui peut durer un temps, se perdre. Et on voit des gens qui ont eu beaucoup de charisme et qui, parce qu'ils ont commis une erreur sur un plateau, une erreur sur un terrain, une erreur, se voient destitués. D'ailleurs, c'est très violent, hein. C'est la preuve aussi que le statut de leader, c'est pas d'ailleurs un statut, c'est très figé, hein, statut de leader, statut, c'est que d'ailleurs, on vous le donne en fait, on vous l'octroie. Absolument. Voilà, il y a vraiment cette dimension. Ce que je trouve très intéressant, c'est que on peut avoir un statut de leader. Alors, je reprends le mot statut, c'est-à-dire c'est la hiérarchie qui vous donne un rôle, un poste supérieur de manager, de directeur, de leader. Vous êtes à la tête de. Et un leader, ça vient de tout lead, hein, bah, mener, diriger, conduire. D'ailleurs, on peut mener sans conduire, c'est paradoxe. Mais si tu veux, tu es à la tête. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on peut être à la tête de quelque chose, mais ne pas avoir de leadership. C'est-à-dire que ceux qui sont en bas ne vous reconnaissent pas. Et c'est toute la distinction, me semble-t-il, entre le pouvoir et l'autorité.
Tu peux avoir du pouvoir, mais ne pas faire autorité. À l'image d'un petit chef en politique. Il va avoir du pouvoir, voilà, mais qui ne fait pas autorité parce qu'on ne croit pas en ce qu'il dit, etc., etc. Inversement, tu peux faire autorité, mais ne plus avoir aucun pouvoir. Je pense à des gens comme Simone de Beauvoir qui font autorité dans ma vie, mais qui n'ont aucun pouvoir effectif, tu vois. Et c'est ça que je trouve assez intéressant. Qui plus est, à l'ère, et je fais un petit clin d'œil, du télétravail, où on n'est pas forcément présent, tu peux avoir du leadership à distance, parce que si faire autorité n'est pas forcément lié à ta présence, bah, ça nous rassure aussi tous. Hein. Il y a beaucoup de chefs qui pensaient qu'ils étaient leaders parce qu'ils étaient là au boulot, bien présents, et qu'en fait, on se rend compte qu'on peut être à distance et avoir beaucoup plus de leadership. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve intéressant, l'autorité qui se cultive, et parfois même à distance, peut se dispenser du présentiel pour exister. Donc, il y a une vraie nuance. On peut avoir un rôle de leader, et on le sait sur un terrain, hein. On peut avoir été leader un temps, et moins. Oui. Et on peut l'être dans certains contextes énormément avec une intensité incroyable et moins dans d'autres. Et dans le même temps, moi, les personnes que j'accompagne, je les amène à visiter que lorsqu'elles se sentent leader dans un environnement, un terrain et pas dans un autre, c'est souvent, mais c'est parce que c'est un fondement de ma méthode et de mon expertise, qui est la question de ce couplage et de ses pensées, de ses émotions. Si je me ressens légitime dans mon leadership, c'est-à-dire cette capacité d'emmener qui n'est pas forcément d'être en premier, effectivement, je vais pouvoir emmener, fédérer, apporter et amener. Et il n'y a pas de raison que je ne puisse l'être ici et par là, si ce n'est que quand j'arrive ici, je me sente moins quelque chose. Ouais. Tu vois, je rebondis sur deux choses que tu as dit intéressantes. C'est que, imaginons, je viens de voir au basket et là, je me dis, oh Nicolas, il est vraiment leader sur le terrain. Et là, on sort du basket et je t'emmène à la patinoire. Hein, que je n'avais pas dû dire ça. Et là, je pense qu'en l'espace de 20 heures, tu palpes le fait que ton être ne peut pas se dire être leader, puisque tu l'as été sur le terrain de basket, mais absolument pas sur la patinoire. Mais bon, là, je préjuge, parce que peut-être que tu l'es aussi. Non, tu juges très bien. Ce que je trouve intéressant, c'est que tout de suite, déjà, on voit que, bah oui, c'est pas je suis leader, vous pouvez l'être dans un champ dans votre vie, et puis ne pas l'être du tout à d'autres endroits. Donc, comment on va cultiver ça à l'endroit où on est pour que ça demeure, voire aussi faire en sorte de conquérir d'autres espaces dans lesquels on puisse être ou avoir du leadership, par exemple. Et pour revenir un petit peu sur la distinction que tu as dit, justement, sur l'idée de fédérer, moi, je distingue, alors c'est un moyen vraiment mémotechnique, mais réel, le leadership et le leadership. C'est très différent. C'est-à-dire que vous pouvez avoir du pouvoir, être convaincu d'avoir un leadership incroyable, or vous n'embarquez personne. Vous n'impliquez pas les gens, vous appliquez votre pouvoir, vous n'êtes pas vraiment respecté, vous avez du coup ce que j'appellerais un leadership, en espérant que vous vous en rendiez compte. Mais quand vous avez un leadership, et là la dimension je trouvais superbe, si on en revient au mot, si tout lead c'est mener, diriger, conduire, la notion de ship qui est déjà participative plus qu'exécutive, ship, voilà. Et là, ship, ça renvoie à la fois à un nom, donc le navire, le bateau, le dirigeable, l'équipe aussi, et ça renvoie à un verbe d'action, transporter, envoyer par bateau. Et du coup, si je devais donner une définition, un petit peu en jeu de mots, j'avoue, du leadership, ce serait finalement ce qui, par essence, est moteur, tu l'as ? Oui, je l'ai. Par essence, est moteur et embarque l'équipe ou les individus qui forment une équipe ou un équipage dans un même bateau. Et je crois vraiment profondément, si tu veux, à cette... On n'est pas que dans une image ou une métaphore, c'est quelque chose qui nous porte. C'est que le leadership, c'est vraiment ce qui va fédérer. L'image du bateau est plutôt parlante, de l'équipage aussi. Enfin, on se le figure bien, hein, qu'il va falloir tous ramer pour y arriver. Qu'en même temps, on accepte qu'il y a un capitaine et on s'en réjouit d'ailleurs. Hein, on est plutôt content qu'il y ait quelqu'un à la barre. Oui. Bah, je trouve que l'image, bah, à part si vous savez, moi quand je monte dans un bateau, je suis quand même très contente qu'il y ait un capitaine, je ne vous cache pas. Donc, je trouve que l'image est intéressante puisque tout de suite, l'horizontalité, vous savez, les entreprises libérées qu'on court absolument, là, on est quand même contente d'une petite verticalité. Le capitaine à sa tête, voilà. Femme. Ouais. Hein. J'adore parce que... On est dans cette période de l'entreprise libérée qui présente des avantages, mais qui présente des avantages face au petit chef au pluriel et face à une exagération du pouvoir en soi. Ma lecture du leadership est qu'on a besoin de personnes qui nous guident, qui nous animent, qui peuvent être Martin Luther King, qui continue à animer et guider d'énormément de personnes. Tu as cité Simone de Beauvoir, etc.
Cette image du capitaine à la barre, elle est importante. Je discutais il y a quelques années de ça avec quelqu'un qui était à la retraite, mais jeune, puisque colonel de l'armée, et donc un temps de service relativement jeune. Et je lui disais, il faut vraiment que tu m'expliques là, ces styles de leadership chez vous, là, et notamment le style de leadership directif. On vient là, fais ça, j'ai fait mon service militaire. Et il a eu une réponse très simple là-dessus. Il m'a dit, tu sais, Nicolas, je veux juste que tu comprennes un truc. C'est que quand on est sur le champ de bataille, quand on a les balles qui nous sifflent aux oreilles ici, on ne veut qu'une seule chose, c'est repérer où est le chef. Bien sûr. Il y a des choses qui nous permettent de le repérer et de n'écouter qu'une seule voix, parce que on n'est pas plus idiot que ça et on ne doit pas faire ce procès au militaire. Ça a été validé que c'est le meilleur moyen de sauver nos vies. Et j'ai trouvé ça absolument pertinent. Alors, il y a 4 styles de leadership qu'on peut utiliser, hein, le directif, le participatif, le délégatif, le suggestif, mais chacun d'entre eux a sa place et son temps dans le contexte de la situation. Et j'aime l'idée de ce chef d'équipe qui est ce repère vers lequel on va aller pour être en sécurité et performer dans ce qu'on a à faire. Oui, c'est une façon, dans ce que tu donnes, l'image du champ de bataille. Alors évidemment, l'analogie sera quand même moins forte parce que ce qu'on vit, c'est quand même pas un champ de bataille, même si c'est très difficile. Ce que je trouve assez intéressant, c'est quand même la notion d'incertitude. Aujourd'hui, il me semble que pour avoir du leadership, qui a du leadership, c'est celui qui donne de la voix pour en donner. Du sens, de la voix VOIE. Il y a vraiment, aujourd'hui, quand vous naviguez à vue, parce que c'est ça l'idée. L'idée, si on reprend l'image du bateau, il nous faut un phare, il faut quelque chose. Petit clin d'œil, il faut la mer. L, apostrophe, amer, c'est un point de repère. Je trouve que c'est une période plutôt pas mal pour le rappeler. Voilà, mais en tout cas, je pense que c'est hyper important d'avoir ce point-là, et à défaut d'avoir les réponses, quand on parlait de recettes tout à l'heure, on est dans un monde où on est dans un monde où on n'a pas les clés, pas forcément les clés. Et moi, je me défais plutôt des réponses toutes faites. J'aurais plus confiance en quelqu'un qui est capable de me dire, attendez, on va poser les bonnes questions pour essayer de cheminer avec lucidité dans cet environnement incertain, plutôt que d'essayer de trouver des réponses que de toute façon, on n'a pas, au risque d'ailleurs eh bien, de faire l'économie de toutes les questions qui auraient à se poser autour. Et tu vois, ça me renvoie à une phrase de Paulo Coelho que j'aime beaucoup, qui me dit, au moment où j'avais trouvé toutes les réponses, les questions ont changé. Voilà. Bien cette énergie, cette agitation où il y a cette dynamique. Et je pense que quelqu'un qui a du leadership, c'est quelqu'un qui peut faire l'aveu de ne pas avoir de réponse, mais d'être en capacité de poser des questions, des bonnes questions, pour essayer de cheminer dans un environnement qui est houleux. Si on reprend l'image, aujourd'hui, évidemment, on est dans un environnement incertain. Mais je pense que celui qui arrive et qui vous dirait exactement l'analogie avec le militaire, ce serait qu'on sait aussi, parce qu'on est peut-être encore plus averti et dans une situation moins périlleuse que sur un champ de bataille où clairement, vous êtes vraiment... je fais un clin d'œil parce que c'est vrai que du coup, on échangeait pas mal sur le côté militaire dans des rencontres. Et il y a des gens qui disaient aujourd'hui, c'est difficile de pratiquer de manière directive parce qu'on est avec des gens qui ne se laissent pas diriger comme ça. Mmh. Et c'est là que c'est passionnant. C'est là que pour avoir du leadership, il faut être capable de déléguer. Aujourd'hui, il faut être capable de se dire... En fait, il faut être capable de créer une articulation entre l'horizontal et le vertical. C'est pas simple. Et qui soit adapté aux personnes qu'on a en face de nous, parce que en fait cette articulation horizontale verticale que tu décris, on pourrait la formaliser en mode l'ordonnée, l'axe vertical, donc qui serait l'expérience, l'expertise des gens que l'on accompagne, et l'horizontalité, ses compétences, son savoir-faire. Ça c'est dans l'axe vertical. En horizontalité, l'envie, la motivation, l'engagement. Et si on était tout en bas de ces deux axes, quasi à zéro de ces deux axes, c'est-à-dire quelqu'un qui a peu d'expérience et qui n'a pas envie, dans ce cadre-là, faire preuve de leadership, c'est utiliser le style directif. Et par contre, si on était complètement à l'opposé dans l'axe, c'est-à-dire des gens très expérimentés et qui sont très motivés, qui ont très envie, le leadership, pour moi, consiste à choisir le style délégatif avec cela. Et il me semble que c'est plus que jamais que de connaître finement les gens qu'on doit leader, qu'on doit emmener, et de croiser ces axes-là pour choisir ce qui est le plus opportun et efficace. C'est à la croisée de tous ces modes. On serait que directif, ça fonctionne un temps, mais pas tout le temps. Être directif et en même temps être dans le participatif, construire quelque chose qui s'adapte au réel, c'est là qu'il y a quelque chose d'intéressant, c'est que ça nous demande d'être en permanence acteur.
Parce qu'un modèle peut marcher un temps et puis il doit se réviser à un autre moment. Oui. Tu vois, sur l'image de l'horizontalité et de la verticalité, moi, je le vois vraiment comme, bon, bah, OK, on est tous égaux dans une entreprise. On va partir de ce postulat-là. En tout cas, il y a une volonté aujourd'hui de plus en plus, hein, ce n'est pas forcément le cas, il y a une volonté de plus en plus de faire en sorte qu'on aplanisse justement les rapports, qu'on soit pair, P-A-I-R-S plutôt que hein, pair, P-E-R-E. Et du coup, la question que ça pose, c'est OK, mais qu'est-ce qui fait autorité dans un monde qui court l'horizontalité ? En somme, quelle est la verticalité ? Qu'est-ce qui nous réunit si on est tous à l'horizontalité ? Et le leader, c'est celui qui va justement être capable de créer cette verticalité qui va être reconnue par tous. Et c'est là que j'en reviens à mon fameux A, c'est que cette verticalité, c'est quoi ? C'est le principe d'autorité qui nous augmente et nous rend hauteur, qui fait que Pierre, Paul, Jacqueline et Martine, ils sont dans le même bateau et ils sont à l'horizontalité portés par cette verticalité qui est finalement cet horizon, ce point de repère. Et ça, le leader, il doit l'incarner. Ouais. Il doit en être le porteur, en fait. C'est vraiment nous diriger. C'est pour ça qu'on reproche parfois en politique de dire, mais attendez, on ne sait pas où on va. Voilà. On n'a pas le cap. À défaut d'avoir les réponses, donnez-nous au moins la voie. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il fut un temps, un leader pouvait simplement s'en sortir sur le fait de donner une voie initiale, clamer une vision initiale et y aller. Et avec les temps économiques, sanitaires, mais pas que, qui sont de plus en plus incertains et changeants, selon moi, un leader doit et donner le cap, c'est-à-dire être capable de formaliser une vision et être capable, non pas comme sur le Titanic où quand on changeait le cap, c'était très 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 long et on finissait dans un iceberg, mais de faire preuve d'agilité et d'adaptation face à la survenue de ce qui se présente et d'être très à l'aise dans sa capacité d'expliquer ça à ses troupes. Parce que les troupes ont besoin de savoir qu'il y a une vision et un cap et les troupes ont besoin et accepteront que face à l'adversité, on puisse changer le cap et pourquoi pas partir complètement en sens opposé dès lors que le leader est capable d'incarner ça. C'est vrai. Et ça nous interroge aussi à notre échelle, hein, en nous disant, est-ce que finalement on veut du participatif et en même temps, quand on voit que les gens n'ont pas de réponse à nous donner, je trouve que tu vois, politiquement, ça nous renvoie aussi à l'image du champ de bataille où là, on aimerait du directif. Nous sommes aussi très ambivalents. Enfin, tu vois, moi, je trouve que la philosophie, quand on reprend l'image du poisson volant, quand tu t'extrais d'un milieu, la première chose que tu vois, c'est ton reflet. La première chose. Et ça, c'est quelque chose d'abord d'important. Avant de pointer du doigt les autres, c'est aussi d'essayer de comprendre soi-même, finalement, pourquoi on a des ambivalences. Pourquoi on veut du participatif et de l'horizontalité, mais on veut quand même quelqu'un qui a un peu de charisme, si possible, qui ait une pointe de directif. Hein. Donc, voilà, ça nous interroge aussi nous-mêmes. Ouais. Sur ton image du poisson volant, je viens de noter quand tu t'extrais d'un milieu, la première chose que tu vois est ton reflet. Je formalise ça un peu différemment quand j'accompagne des personnes qui se sentent plus si à l'aise que ça dans leur entreprise, dans leur marché, dans leur projet et qui veulent aller voir ailleurs. Et je leur dis, OK, très bien, mais l'herbe n'est pas nécessairement plus verte. L'herbe est plus verte là où on l'arrose. Et en fait, si moi, j'amène mes problèmes, mes doutes, mes limites dans un autre endroit, je recréerai le même écosystème si je n'ai pas porté de conscience sur ce que je suis dans toute mon étendue, en fait. C'est ça. Et on revient tout à fait à la dimension d'être acteur. Exactement. Pour voir la vie en rose, il faut que tu l'arroses. Voilà, c'est ça. Pardon. Mais non, c'est parfait, c'est parfait. C'est le moment où mes amis veulent m'abattre quand on fait trop de mots. Là, ils ne le peuvent pas. Il faut en avoir conscience. Non, mais en tout cas, voilà, c'est l'herbe plus verte, mais je trouve que c'est intéressant. C'est que c'est évidemment ce qu'on va y mettre. C'est vraiment ce qu'on va y mettre qui va changer la donne. Et tu parlais tout à l'heure de l'égalité et de cette horizontalité quand on requiert potentiellement, sans se l'avouer parfois, de la verticalité. Je défends l'idée dans l'expression de mon leadership que l'égalité est un leurre, est un mensonge, est une illusion. Je défends l'idée, alors je peux choquer et cliver, mais je l'assume, qu'aucun de nous n'est égaux à la base. Alors je sais que notre devise est égalité, liberté, fraternité. Il me semble que on pourrait manager à l'égalité, l'idée à l'égalité, si tout le monde partait de la même ligne de départ, comme sur une course de 100 mètres. Sauf que, il se trouve que aucun d'entre nous ne part sur la même ligne de départ. Lorsque j'avais été en séminaire dans le cadre de mon executive MBA à HEC au Japon, j'avais échangé avec des étudiants, des étudiantes là-bas qui disaient que là-bas, dans les entreprises, quand tu rentres dans une entreprise et que quelqu'un y était rentré un an avant toi, l'ascension professionnelle serait la suivante, quoi qu'il se passe.
et que c'était absolument, donc c'était managé pour le coup à l'égalité, l'ancienneté, blablabla. Et c'est d'ailleurs une des causes des fuites des cerveaux dans ce pays. D'accord. Et j'adore le principe du leadership par l'équité, qui consiste à faire avec ce que les personnes sont initialement, et si elles ont plus, je vais rééquilibrer potentiellement en l'expliquant de façon groupale, plutôt que d'essayer de me cacher derrière mon petit doigt de l'égalité qui ne correspond pas à la vraie vie. Comment vois-tu ça, Laura ? Eh ben alors, ça me renvoie. Alors, tu vois cette image, il y a une image assez intéressante qui est très parlante, où tu as différents animaux et tu as un arbre et tu as une règle. Alors, donc, tu as différents animaux, je ne sais pas, bon, on va dire un éléphant, une girafe, un singe, un poisson, bon, etc. Et bon, je ne ferai pas le singe. Je ne ferai pas le singe. Et tu as une règle, et la règle, c'est le premier qui monte à l'arbre a gagné. Voilà. Bon, bah, c'est une très belle façon de voir que oui, face à ça, ce sont des animaux, mais bon, ils ne sont pas égaux dans leur capacité. C'est et ça. Du coup, pour avoir une référence un peu plus intellectuelle que celle-ci, ouais, on renvoie à la notion de capacité chez Amartya Sen, prix Nobel de l'économie, qui a eu des très beaux textes comme ça que je vous invite à aller voir sur justement plutôt aller vers une équité, c'est-à-dire que bah, la justice, le concept de justice, il n'y a pas un concept général universel de justice, ça va s'éprouver par rapport aux capacités de chacun. Et c'est ça qui est passionnant. C'est-à-dire que on serait dans l'égalité si ce qu'on mettait en avant, c'est la capacité de chacun à pouvoir répondre à la règle qu'on soumet. Sauf que quand on met une règle et qu'on n'a pas la même capacité, forcément, et on le voit bah, à l'échelle des enfants, à l'échelle de plein de choses, il y a des aptitudes qui vont être différentes. C'est la raison pour laquelle aussi l'école peut être aussi douce et belle qu'elle peut être parfois cruelle. Absolument, très très juste. Voilà. Donc Amartya Sen, je vous invite à aller voir des textes très sympas, et quelques articles, beaucoup de choses intéressantes sur la notion de capacité qui renvoie plutôt à l'équité. Excellent. Quelle place tu donnes à la dimension de l'optimisme dans le leadership et ou dans ta philosophie pratique ? Regarde. Déjà, ça commence par un sourire. Ouais, je dis souvent, si je ne suis pas responsable de la tête que j'ai, je suis responsable de celle que je fais. Oui. C'est déjà pas mal. Voilà. C'est déjà pas mal. Donc, non, sur l'optimisme, je pense que c'est hyper intéressant, la notion d'optimisme. Je suis pas mal intervenue, ne serait-ce que sur le mot. Encore une fois, c'est un mot qui mérite d'être incarné, comme tous. C'est-à-dire que quand tu dis optimisme, tu peux dire tout et le son contraire. Par exemple, moi, je peux te dire, écoute, Nicolas, je suis quelqu'un de très optimiste. Je m'attends au meilleur. Bon, on va pouvoir rester une heure, toi et moi, il ne va pas se passer grand-chose. Néanmoins, j'ai le sourire. Oui. Et tu as l'optimiste qui, lui, ne s'attend pas au meilleur, mais fait en sorte qu'il arrive. Mmh. Et là, tu as deux personnes qui se disent être optimistes, mais qui ne vont pas du tout l'incarner pareil. Et si on fait un clin d'œil sur le meilleur, sur le fait de réussir un jour à atteindre ses objectifs, celui qui s'attend au meilleur n'y arrivera jamais. Celui qui fait en sorte qu'il arrive se donne les chances de pouvoir potentiellement y arriver. Donc, si tu veux, ce que je trouve intéressant, c'est que moi, je suis optimiste dans le deuxième sens du terme. Et c'est pour ça que j'ai à cœur de l'étayer, parce qu'il y a des gens qui peuvent dire « t'es optimiste, c'est être candide, t'es optimiste aujourd'hui ?» Non, je suis optimiste parce que pour moi, c'est un état d'esprit, l'optimisme. C'est faire en sorte que le meilleur arrive. Je ne dis pas que le meilleur est là, je dis que je vais faire en sorte qu'il arrive. Donc, si tu veux, je l'arrose. Comme tu disais, exactement. On est vraiment dans cette idée-là. Et juste pour le moyen mémotechnique, si vous prenez le mot « optimisme » pour lui donner corps et vie, pour que le mot soit vivant, et donc motivant, vous pouvez très bien lire l'optimisme, c'est ce qui m'optimise moi. Tu as le me, le petit pronom personnel, et en anglais, hein, me, donc sans filer à l'anglaise, l'optimisme, c'est ce qui m'optimise moi. Et à partir de ce moment-là, tu es vraiment dans une démarche active. Quand je suis dans l'optimisme, je suis aussi dans cette optimisation de moi-même. Donc je fais quelque chose pour avoir ce sourire. Voilà. Excellent. Et ouais. Alors, la définition que j'adore de l'optimisme, c'est celle de Christophe André qui nous dit que c'est supposer face à l'incertain qu'il existe une issue favorable et se donner le droit d'agir pour la faciliter. Et en fait, on reprend exactement ce que tu viens de dire à travers une autre citation, et bien cette question d'engagement. Et pour moi, c'est, y compris dans la crise qu'on observe actuellement, ne pas se restreindre le regard en mode « il n'y a que des choses qui ne vont pas, il n'y a que des libertés bridées, etc. » C'est garder le champ des possibles absolument ouvert et savoir que j'ai en moi les ressources pour faciliter et favoriser ce à quoi j'aspire dans cet environnement. Ouais. Et du coup, être en pleine liberté parce que non dépendant de quelque chose extérieur à moi. Mais là, quand tu dis ça, tu fais mention voilà, de quelque chose qui est délicat et qui se construit, c'est la confiance.
Absolument. Pour réussir à ça, il faut quand même déjà avoir confiance en soi. Et alors là, on parle aussi d'inégalité. Oui. Tout le monde n'a pas la même confiance. Tu as des gens qui vont, parce que dès l'enfance, ils ont eu un cocon encourageant, qui justement les a invités à leur dire « tu peux être qui tu veux être ». Et tu as des gens qui vont démarrer dans la vie avec justement des gens qui ont été au-dessus et qui n'ont pas été, par exemple, des parents leaders. Tu sens l'angoisse ou pas? Je vais faire en sorte d'avoir du leadership avec mes enfants. Et oui. Non, mais tu vois, et sur ça, on n'est pas tous égaux. Et moi, je trouve que c'est passionnant de voir qu'il y a des gens qui vont traverser les âges de la vie avec cette difficulté de construire une confiance en eux, d'essayer d'arriver, de se donner les moyens. Je pense que toi comme moi, on travaille cette confiance. Parce que quand on s'est vu au TEDx, on était tous les deux quand même très angoissés. Donc, il y a quand même l'envers d'un décor. Absolument. Mais néanmoins, c'est une chance. Enfin, j'estime que j'ai la chance d'avoir eu aussi un environnement qui m'a amené à avoir confiance en moi, que j'entretiens, que je cultive évidemment. Mais voilà, ça touche à ça. Je pense qu'il y a des gens qui partent de beaucoup plus loin. Et donc, voilà, c'est plus dur. C'est ça. Je ne sais pas si tu vas valider le mot, et si tu ne le valides pas, je continuerai de l'utiliser quand même. C'est bien, il faut. Oui, voilà. Parce que j'ai confiance en celui-ci, en tout cas ce qui résonne en moi. Pour moi, pour donner la confiance, c'est effectivement avoir des parents leaders, et c'est chouette que tu abordes ce sujet, parce que je ne sais plus si c'est demain ou après-demain qu'on va avoir un couple d'experts du leadership de la parentalité et des parents et de quelles sont les clés pour que les parents... Écoutez alors. Pour un couple de Canadiens experts vraiment du sujet. Pour moi, on a besoin d'empuissancer. C'est ça le mot dont je voulais parler, de donner de la puissance, d'empuissancer, pour ne pas le dire en anglais. Moi, j'aime mieux, plus que toi, les mots anglais, mais je m'en méfie en même temps. C'est-à-dire je connais très mal, donc je, face à ça... C'est-à-dire donner de la puissance, ça veut dire je crois en toi, je sais que tu es capable, tu peux y arriver, et ça effectivement c'est ce qui peut permettre de déployer nos propres ressources quand on se trouve face à l'adversité. Mais il me semble, j'aime l'idée que pour développer la confiance de quelqu'un, certes on est ce levier de l'empuissancement, mais on est aussi ce que je sais faire très imparfaitement et incomplètement avec mes enfants pour le coup, c'est les mettre à l'épreuve et les mettre dans des situations où ils seront mis à l'épreuve dans le sens tribal du terme, où on mettait un adolescent qui devait passer adulte à dormir une nuit dans la forêt face aux animaux sauvages. En fait, les adultes étaient là et pas loin, mais ils devaient vivre cette épreuve, se confronter à ses peurs pour se révéler à proprement parler. Et il me semble que pour développer la confiance, c'est oui, on m'a empuissancé, si tu me permets de le dire comme ça, et j'ai vécu des situations de mise à l'épreuve dont je suis sorti victorieux, donc grandi. Qu'est-ce que tu penses de la mise à l'épreuve et des épreuves? Oui, c'est la notion. Alors écoute-moi, la nuit dans la forêt, ça m'angoisse un peu quand même. Alors, je serais plus pondérée, peut-être parce que ça me plaît davantage. Non, moi, je dirais oui, que c'est se rencontrer. Et dans la notion se rencontrer, j'y mets une forme d'épreuve quand même, ou s'éprouver. J'aime beaucoup la notion de rencontre, puisque se rencontrer ou rencontrer quelqu'un, c'est une vraie rencontre, c'est ce qui contre le rend. Tu inverses les mots. Et se rencontrer, il y a vraiment cette notion de contrer des choses qui sont bien rangées, bien établies. Et c'est comme ça, c'est par les épreuves que tu t'éprouves déjà vivant, et que souvent tu te rencontres, c'est-à-dire qu'il y a des lignes qui ont bougé, qui ont contré ce qui était bien, bien établi. Et là, que ce soit une rencontre avec un autre, hein, je pose souvent la question, quand est-ce que vous avez rencontré quelqu'un pour la dernière fois, ou rencontré une matière, quelque chose qui est venu bouger des lignes, vraiment. Et donc, il y a cette notion d'épreuve. Et après, ça peut être effectivement, quand tu parles de nature, derrière ce que j'entends aussi, c'est éprouver son corps. Oui. Parce que c'est vrai qu'on est dans une société qui, finalement, alors moi, je vais bien l'éprouver, hein, parce que nous, les femmes, on est quand même bien rappelées à ça. Mais vous, non, mais de manière générale, on avait cette question très intéressante de corps qui, finalement, sont bien au chaud pour ceux qui ont de la chance, évidemment, en hiver, qui mangent à leur faim pour ceux qui ont de la chance, et ce n'est pas le cas de tout le monde, évidemment, aussi. Mais on est dans un rapport au temps et à la nature où le corps est beaucoup moins éprouvé qu'à l'époque. Saisons, toutes ces choses-là. Donc oui, comment on peut faire corps avec le monde dans lequel on vit? Je ne sais pas si c'est vraiment en éprouvant le froid ou autre, mais en tout cas, en ayant une lucidité sur le fait qu'on ait déjà un corps, quoi. Il y a quelque chose de très intéressant. Et souvent, le leadership, je pense qu'il y a aussi une forme de cohérence, hein. La cohérence, c'est aussi habiter un corps, être en cohérence. Celui qui vous dit « bon, il faut prendre du temps pour vous », qui est en train de courir entre trois trains à chaque fois, il manque un peu de cohérence.
Et quand je dis ça, je ne pointe personne du doigt, je me pointe aussi moi-même. Oui. En me disant, je tâche d'être philosophe et de prendre la vie avec philosophie, je cours beaucoup pour quelqu'un qui invite à ralentir. Mais voilà, tu vois, il y a quelque chose de cet ordre. Oui. Rejoindre sur l'épreuve, je pense que c'est l'idée de se forger, en fait, de se renforcer, et que c'est dans l'épreuve, évidemment, qu'on s'éprouve, donc qu'on se rend vivant. Exactement. Avec cette notion de corps que tu nous précises, la fatigue que les humains pouvaient ressentir il y a 2 siècles était éminemment physique en rentrant de leur journée de travail et de labeur pour une grande partie qui passait à travers une production par le corps, a été complètement changée par la fatigue d'une grande partie, bien sûr que beaucoup d'humains encore produisent avec leur corps toute la journée, mais une plus grande partie, en tout cas qu'il y a 2 siècles, c'est indéniable, produit, réalise, s'exprime, potentialise des choses à travers... une mentalisation, ce qui fait que la charge physique du passé qui nous amenait une fatigue physique qui parfois permettait de récupérer le corps la nuit est maintenant devenue une charge mentale. Et ce qui épuise, ce sont les relations toxiques qu'on peut avoir avec d'autres, me semble-t-il. Mais avant tout, à mes yeux, à moi, la propre relation que l'on a avec nous, les propres pensées toxiques que l'on s'inflige et le fait d'être dans le fait de critiquer, de se plaindre et de condamner les 3 jamais que j'invite les leaders à ne jamais employer. Comment peut-on revenir dans son corps alors que le mental prend toute la place désormais ? Alors déjà, ce que tu dis me renvoie à 2 références. La fatigue d'être soi, qui est un bouquin d'Alain Ehrenberg, sociologue. Oui. Oui. Et qui est passionnante parce que ce qu'il montre, c'est qu'on est dans une société où on est crevé, fatigué. Fatigué pourquoi ? Parce qu'il était plus facile de vivre dans un monde qui vous dit comment vous conduire, hein, avec ses verticalités, la religion, différentes choses, que de vivre dans un monde où tous les points de repère s'aplanissent et où vous devez vous-même trouver ces points de repère. Donc la fatigue d'être soi, je trouve que c'est un très joli bouquin qui invite justement à se questionner aussi sur le leadership. C'est, si on est fatigué, c'est qu'on doit, nous, être leader de notre vie, s'entreprendre, et se prendre en main. Et le deuxième petit bouquin passionnant auquel ça me renvoie, c'est Huit clos. Période de confinement oblige, un grand clin d'œil. Huit clos de Sartre, quand tu dis que c'est déjà aussi une mise en miroir avec soi-même et les autres. Huit clos de Sartre, c'est quand même justement l'enfer, c'est les autres. Autrement dit, l'enfer, c'est moi à travers le regard des autres. Enfin, il y a ce lien entre moi et les autres. Hein. Ils ne pointent pas les autres. Ils pointent plutôt la façon dont... ce que je fais du regard des autres et dont je me comporte aussi avec les autres. Donc, ça part de soi. Très, très intéressant aussi à voir et pour gagner aussi, je pense, en leadership avec soi-même déjà et faire corps et équipe avec soi. Parce que c'est ça, déjà. C'est déjà quand tu ne fais pas un avec toi-même et que tu n'es pas bien dans ton corps, dans ta tête, c'est compliqué de prendre la barre et le cap pour diriger les gens aussi. Hein. Donc, je pense que plus tu es bien dans tes baskets, plus tu es dans ta vie. Voilà, c'est ça, tu vois l'idée quoi. Mais je pense qu'il y a une question de cohérence importante et le leadership, c'est ça, je trouve que c'est un mot qui est très vivifiant, tu vois, dans cette idée, c'est faire corps avec soi pour faire corps avec les autres, enfin, c'est quelque chose de fort quand même. Absolument, moi je considère, alors avec mon mot à moi, que le mindset qui est la communication de moi avec moi-même sera le socle qui me permettra ensuite d'interagir et d'influencer positivement les autres. Et si je ne mets pas de clarté pour le coup sur cette question de charge mentale, de rumination, de questions que je vais me poser qui ne sont non aidantes, j'aurais beau utiliser toutes les belles techniques relationnelles, la communication non volante, l'écoute active, etc., je serai sur un socle très friable qui ne m'amènera à rien. C'est pour ça que pour moi, dans ma vision, le leadership, c'est avant tout, merci de la référence à Huit clos, moi avec moi, et comment je lead ce qui se joue en moi, en fait. Et tu vois, et sur cette référence, dans ce que tu dis, sur la charge mentale, elle est passionnante. Dans Huit clos, il faut quand même imaginer l'audace de Sartre. C'est que si on se dit, là, toi et moi, qu'on part en enfer, je pense que si on nous demande de faire un écrit de ce qu'on imagine, on va tous les deux dire des flammes, l'horreur, enfin quelque chose d'atroce, quoi. Et la force de Huit clos de Sartre, c'est que tu ouvres la porte, tu crois que tu rentres en enfer et tu as juste 3 mecs, hommes, femmes, assis autour d'une table. Et là, tu te dis, c'est ça l'enfer. Et le brio de Sartre, c'est de nous rappeler que l'enfer, c'est nos rapports avec les autres, qui sont souvent toxiques, pollués de représentation. Et c'est ça qui est vicieux. Si tu veux, c'est pas les autres en soi. L'enfer, c'est pas de vivre avec les autres, c'est comme on vit avec les autres parce qu'on ne fait pas de travail sur soi. C'est ça qui est passionnant chez Sartre. Donc, c'est vraiment une invitation à mieux vivre avec soi-même pour mieux vivre avec les autres.
Et je trouve que c'est vraiment dans ces périodes de confinement où on n'a plus que jamais fait face à soi, où on fait face à soi et peut-être qu'on va encore être reconfiné. Si on pouvait en sortir moins con in fine, ce serait pas mal pour leader de tout le monde. À la fin de semaine, on se lâche. C'est ta dernière avant ton congé maternité, tu y vas plein pot. J'adore et je pense que toutes les personnes qui sont avec nous adorent également. Et donc, en fait, Sartre, il nous rappelle que c'est notre autorité et notre authenticité qui nous permettront justement de bien rayonner et non pas briller. D'ailleurs, ça a été dit par un intervenant hier, c'est-à-dire apporter notre chaleur aux autres et leur permettre certainement de grandir, de s'empuissancer, de développer leur propre confiance parce que, à mes yeux, un leader grandit en faisant grandir les autres. Tout à fait. Et tu vois, là, tu parles de grandir. Je serais ravie de même d'aller vers la conclusion sur ce mot-là, que je trouve magnifique. On peut vieillir sans grandir. On le dit parfois, il y a des gens qui sont un peu vieux cons. Voilà. Oui. Je trouve que, si tu veux, la distinction est magnifique parce que grandir n'attend pas le nombre des années. Grandir, ce n'est pas le temps qui passe, c'est la façon dont on passe le temps. Et ça, si tu veux, pour moi, c'est une invitation. Prendre la vie avec philosophie, c'est grandir, en fait. C'est chaque jour observer le monde comme un enfant, avec les ressources d'un grand, et vraiment passer le temps de manière différente, plutôt que le regard dépassé. Et c'est pour ça que parfois, plus je grandis, justement, plus je vois des gens qui sont censés être grands, et je me dis, oh, qu'ils sont bien petits en faisant trop les grands, justement, tu vois. Et ça, je trouve qu'avec le leadership, il y a quelque chose d'hyper intéressant. On peut avoir du leadership, c'est être considéré comme un grand aussi. Et ça, ce n'est pas parce qu'on est sur un piédestal. Voilà, il y a quelque chose, je trouve, en tout cas, d'intéressant. Et donc, la notion de grandir, vraiment, apprenons à passer le temps comme il se doit et on grandira. Voilà. Et quelle que soit notre taille physique, effectivement. Tout à fait, parce que toi, tu es très grand. Non, mais c'est intéressant parce que je suis très grand. Je mesure 1m98, mais une quête pour moi, c'est de continuer à grandir chaque jour. Donc, c'est pour ça que je disais ça. C'était vraiment petit clin d'œil, certes, mais réellement. Réellement. Et aussi parce que, je reprends cet exemple-là de la taille, on a l'impression qu'on ne grandit pas. Mon fils, qui a croissance tardive, pestait pendant longtemps, je ne grandis pas, je n'évolue pas, etc. Donc ça, c'est important. Mais je veux rester sur ta dernière idée de grandir et de vieillir. Parce qu'en fait, il y a une très, très grande différence entre la vieillesse et la sagesse. Et là, on va boucler la boucle avec l'amour de la sagesse. On peut être, comme tu l'as très bien dit, un vieux con, on peut être un jeune con. La sagesse n'attend pas le nombre des années. Et l'enjeu pour nous, en grandissant, c'est de développer cette sagesse en nous, certainement. C'est ça, c'est ça. Et c'est jamais acquis, ça se cultive. Donc voilà, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves. Exactement. Wow. Je te remercie en tout cas vraiment, Nicolas, pour l'invitation. Viva Vox, Fabien Jeanne aussi, évidemment. Absolument. Je suis ravie d'avoir pu partager ce moment avec toi en espérant avoir plus éclairé que perdu les gens qui ont écouté, j'espère. Voilà. Je suis convaincu que tu as plus éclairé que perdu et je suis convaincu que ce live-là, cette vidéo-là, va être revue de nombreuses fois, justement, pour aller recreuser les pépites, etc. Je vous invite dans le chat, même pratique que tous les autres soirs, à noter ce que vous avez pu retenir, ce qui vous a touché dans les propos de Laura, ce que vous en avez compris, ce qui va vous aider à avancer, parce que vous savez qu'en le mentionnant et en le libellant, ça vous permet de prendre un début d'engagement avec vous. On a vu à quel point Laura plaidait pour la mise en action et la mise en mouvement et la mise en hauteur à travers cette intervention. Qu'avez-vous retenu? Qu'est-ce qui va vous être plus utile? Quelles seraient les deux thématiques essentielles qui vous permettront d'avancer? Chère Laura, c'est la première fois de ma vie que je vais souhaiter ça, mais je te souhaite un magnifique congé maternité. Merci, c'est gentil, c'est adorable. Et puis au plaisir de se revoir dans d'autres contextes aussi passionnants, intellectuellement et aussi sur le plan humain. Voilà, c'est quand même important et qui prime, c'est l'essentiel. J'étais ravi de te retrouver après notre expérience de TEDx commune. Merci d'avoir répondu à l'appel concernant ton agenda de maintenant dont je viens de parler à l'instant. Que tout se passe bien et tout se passera bien. Et merci encore de ta disponibilité. C'est une belle métaphore de la vie et du sport. Hein. Il faut souffrir pour obtenir des récompenses. Magnifique. Et quelle récompense. Mais quelle récompense dans ton cas. Merci. Bon, merci à toi. Bon prochain entretien. Puis je regarderai ça, écouterai ça avec grand plaisir.
Merci. À très vite. Prends soin de toi. Au revoir, Laura. Waouh, on est parti dans les chapeaux de roue, sur les chapeaux de roue ce soir avec Laura. Alors, vous avez pu voir qu'elle est une experte des mots de la philosophie pratique, de comment est-ce qu'on peut développer notre propre leadership sous son angle à elle. C'était absolument fantastique de partager ce temps-là. N'hésitez pas dans le chat, effectivement, à indiquer ce qui vous a touché, les engagements que vous prenez. On va continuer dans une autre énergie. Et d'énergie, évidemment, il va être question. Est-ce qu'on sera dans la philosophie? C'est possible. Est-ce qu'on sera dans des sujets qui vont s'envoler sur les mots tels qu'on l'a eu à l'instant? C'est possible aussi. On va parler d'un axe absolument différent puisqu'on a ce soir, juste après, là, ils sont déjà dans les salons d'attente VIP. Je vois leur tête, je les vois hocher la tête et sourire. Vous, pas encore. On a les experts de l'inconscient en France. On a la chance d'avoir ces experts-là qui vont pouvoir nous amener à nous éclairer sur un sujet et une question essentielle. Notre inconscient nous permet-il d'être un leader? Parfois, dans la vie, on voudrait travailler sur le fait de se développer, d'atteindre des objectifs, de se dépasser, de croître, d'évoluer, de créer la meilleure version de nous-mêmes. Et en même temps, parfois, on bute contre des obstacles, on ne comprend pas, notre volonté consciente est là et il y a des choses qui coincent. Et c'est pour cela que j'ai le grand plaisir de faire intervenir mes amis Pascal Gomez et Delphine Auger pour échanger sur ces sujets avec moi. Je vous invite à les accueillir. Et voilà, on est donc en trois. Donc là, je vais me aligner. Là, j'ai plus beaucoup de place là parce qu'il y a trois, ça devient plus compliqué. Ah oui. Bonsoir Delphine, bonsoir Pascal. Comment tu vas? On va super bien. On vient de sortir de plein de bonnes nouvelles, tu vois. Donc on a une super pêche. On va essayer de vraiment la propager, comme vous disiez tout à l'heure, rayonner et pas briller. C'est ça. Et c'était vraiment une super intervenante, Laura, juste avant. Et Delphine. Moi, je suis fan. Je suis fan. En plus, elle parle de philo, je me régale. Elle adore les fables de La Fontaine, je me régale. C'est vraiment hyper intéressant. Non, là, c'est une découverte pour moi. Et franchement, bravo Nico, parce que je la trouve formidable. Vraiment. Je t'en prie. Mais de toute façon, on n'a que des intervenants formidables dans ce sommet. Mmh. C'est pas de la démagogie dans ma bouche. Parce qu'en fait, après chacune des interventions, on peut se dire oh, c'était formidable. Et moi-même, l'adjectif que j'utilise beaucoup en ce moment, c'est époustouflé. Après chaque intervention. Mmh. Et ce qui est chouette, c'est que là, je suis pré-époustouflé parce que je sais que je vais l'être dans une heure aussi. Donc, c'est absolument formidable et je vous remercie d'être là pour ça. Est-ce que vous pourriez vous présenter l'un et l'autre, tout seigneur, tout honneur, Delphine, pourrais-tu commencer? Ça permettrait à mon audience qui ne vous connaîtrait pas encore de savoir, mais qui sont ces gens-là? Eh bien, bonsoir tout le monde. Alors, je me présente, j'essaye de faire rapide parce que je suis très audace. Ça va être dur. Ils le savent tous les deux. Alors, tu vois, je suis serré sur le cadre, mais le temps aussi. Et oui, je sais bien. Alors, je vais dire que j'ai eu trois vies. Je suis dans ma troisième vie, allez. J'ai fait un parcours, j'ai fait une prépa, j'ai fait Sciences Po, je pensais faire de la politique. Ça a un petit peu changé. Et ça rejoint ce qu'a fait Laure, parce que moi, j'ai fait un 2A d'épistémologie économique. Donc, c'est la philosophie des sciences appliquées à l'économie. J'ai commencé une thèse et puis là, j'ai changé de vie. Ça ne me convenait plus. Ça ne correspondait pas à mes valeurs, plein de choses. Déception du monde universitaire, je ne comprenais plus rien. Donc, je suis partie en entreprise, ce qui était pour moi, va des rétro satanas. Ce n'était pas possible, hein, parce qu'il fallait que je fasse du service public, mais vraiment, vraiment. Et en fait, je suis rentrée dans le monde de l'informatique, qui est un monde passionnant. C'est un langage, hein, donc c'est plein de choses. Et à la fin, j'étais directrice de projet et j'ai eu l'occasion chez IBM d'être directrice de cabinet d'un vice-président, ce qui a été magnifique aussi comme expérience, qui m'a amené à un endroit où il fallait justement beaucoup de leadership après. Et c'est ce qui m'a manqué à ce moment-là, parce que j'étais pas en confiance sur mon poste et sur mes capacités, malgré ce que j'avais fait. J'étais devenue responsable de compte dans un métier qui était très valorisé chez IBM après. Et c'était trop tôt pour moi et j'ai fait un burn-out en fait. Hein, et je suis partie. Burn-out, je m'en suis pas vraiment rendu compte. Et après, de toute façon, j'en pouvais plus physiquement. Je suis partie vivre dans le sud et j'ai changé de vie. C'est à ce moment-là que j'ai fait du coaching avec Monsieur Gomez, qui est là en fait.
Et ça a été, alors on va pas dire révélation parce que ça le met au mauvais endroit, mais en tout cas ça a été incroyable parce que j'avais fait plein de recherches et je me documentais. Et puis ça avait duré un an. Et après une séance avec Pascal, on va dire qu'en 3 semaines j'avais fait plus que dans les 8 mois précédents dans tout ce que j'avais fait. Donc là j'ai vu qu'il y avait un truc qui se passait, j'ai pas compris. J'ai continué. Ah, j'ai dit ah. Et du coup j'ai continué et il s'est avéré qu'après je lui ai proposé qu'on travaille ensemble parce que je croyais vraiment dans ce qu'il faisait. Et puis maintenant, ça fait aller plus de 2 ans et demi qu'on travaille ensemble, ça veut dire, parce que ça passe super vite. Et aujourd'hui, après, je vais le laisser développer. Mais en gros, aujourd'hui, on s'est rejoint pour avoir une activité auprès des particuliers, ce qu'il avait déjà, hein, Pascal, en fait, l'approfondir, développer ses concepts et une activité aussi auprès des entreprises, qui est plus mon milieu, finalement. Et voilà, on a joint nos compétences respectives et nos milieux. Et puis, on en est là aujourd'hui et ça se passe bien. Donc, on est assez fiers de ça. Voilà, ça y est. Tiens, voilà. Le mot fier est sorti. C'est un mot qui me parle. Ok, génial. Pascal, merci beaucoup Delphine. Pascal. Alors, Pascal Gomez, je suis très heureux d'être là aussi avec Nico et Delphine. Moi, mon démarrage, c'était un démarrage de mec complètement paumé, qui ne sait pas où il va et qui a fait des études de géologie qui ne servent à rien, qui aurait pu le voir dès le début que ça allait servir à rien, mais qui ne s'en est pas rendu compte, hein, bizarrement. Tu vois, ça, c'est l'inconscient, justement. C'est la première introduction. On est dans un schéma et on ne le voit pas. Il n'y a que nous qui ne le voyons pas, si tu veux. Mmh. Et donc, je rentre dans un magasin. Et je vois un mec avec les cheveux bleus qui avait l'air sympa. Je me dis, je veux être sympa. Je veux être pareil que toi, mais je ne veux pas avoir les cheveux bleus. Ah, voilà. D'accord. Et là, il m'a dit, on a une session de recrutement de vendeur chez Disney Store la semaine prochaine. C'est un truc collectif. Viens, si ça t'intéresse, viens, on prend ton CV, etc. Et donc, je suis rentré donc, chez Disney comme ça. 15 jours après, j'étais manager. Et ensuite, je suis resté 6 mois. Ensuite, je suis parti chez Swatch, où j'étais régional. Ensuite, donc, sur du multisite, de la gestion de l'humain aussi. Et mon plus gros poste, c'était du management, on va dire, il y avait plus de 100 personnes, entre 100 et 150, sur du 3-8, dans une usine avec un magasin automatisé. C'était de la logistique pour un sous-traitant d'Airbus. Donc, c'est là où je me suis rendu compte que le seul truc qui m'intéressait, c'était l'humain. C'était la façon, en fait, dont les gens interagissaient entre eux. C'était la façon dont je percevais, allez, on va dire, instinctivement, les relations entre les gens. Je me disais, lui et lui, ça ne peut pas fonctionner. Ah, par contre, là, si je décale et que lui il va avec lui, là, ça va fonctionner. Et ça, c'était mon grand jeu, si tu veux. C'était un terrain de jeu en plus, hein, tout ça. Et ça faisait du bien aux gens. Donc, je me suis rendu compte que faire du chiffre, c'était cool. Mais moi, je préférais les gens. Et quand les gens étaient bien, mais ça faisait du chiffre. Ah. Bah. Donc, c'est là où si tu veux, je ne supportais plus, un peu comme Delphine, je ne supportais plus le lieu de travail. Je suis devenu coach, thérapeute plus coach, et j'ai travaillé, j'ai développé énormément de choses sur l'inconscient, sujet qui me fascine depuis tout petit, hein, parce que je n'ai jamais compris pourquoi on me gueulait dessus pour me faire arrêter de crier quand j'étais petit. Voilà, c'est pas cohérent, tu vois. Ces incohérences, et vous avez parlé avec Laura là d'incohérence, tu vois, c'est ce point de départ là. Ben moi, si tu veux, j'ai tout ramené, ou globalement 90% à l'inconscient, et j'en ai tiré énormément de choses. Et Delphine m'a beaucoup aidé depuis qu'on se connaît à les formaliser. Voilà, et à organiser, parce que dans ma tête, c'est plutôt décousu, et pour que ça soit, pour réussir à exprimer quelque chose, à le partager, et ça aussi, c'est quelque chose qui est important pour le leader, hein, ça c'est évident, la communication, il faut de l'aide, parfois, tu vois, pour franchir le palier. Waouh, alors, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui se posent la question, ok, d'accord, mais ce truc de l'inconscient, j'ai déjà entendu le mot, mais c'est quoi cet inconscient en réalité? Quel est cet inconscient? Qu'est-ce qu'on met derrière? Comment ça marche? Il y a de multiples questions, mais c'est quoi l'inconscient? Qu'est-ce qu'on peut entendre par ça? Je pense que c'est indispensable qu'on le pose en démarrage. Tu veux y aller, Delphine? C'est toi, quand même. Allez. Alors, l'inconscient, moi je pense que ça peut être simplifié à l'extrême.
C'est-à-dire qu'on ne va pas parler subconscient, j'allais refaire un film, voilà, subconscient et inconscient, et voilà. Mais on ne va pas parler sur moi, le ça, on ne parle pas de tout ça, on oublie tout. Mmh. Et on sait juste qu'il y a des structures qui nous permettent de répondre à un événement précis quand on est enfant. C'est-à-dire que je suis enfant, j'ai une problématique et naturellement, je ne sais pas y répondre. C'est-à-dire que j'ai peur de perdre l'amour de ma maman, j'ai peur de perdre l'amour de mon papa. Je vois quelqu'un en colère et j'ai de l'empathie, alors je vais vers lui et j'essaye de voir ce que ça va faire. Et notre inconscient va justement enregistrer des réponses qu'il va accepter comme étant justes. Alors des fois, juste, ça veut dire qu'ils ont résolu le problème. Des fois, ce n'est pas la réalité. C'est-à-dire que des fois, c'est une... Par exemple, imaginons, moi je prends toujours ce cas parce que c'est quelque chose qui m'avait touché dans une de mes séances. C'est quelqu'un qui se perd, si tu veux, dans un supermarché, un petit de 4 ans ou une petite, ça je ne me souviens plus, mais c'était une petite enfant, et elle pleurait parce qu'elle avait perdu sa maman. Et donc elle cherche des solutions, et la solution qu'elle trouve à un moment donné, c'est de bégayer. Et elle associe le bégaiement avec la maman qui arrive et qui voit l'enfant et qui récupère l'enfant. Donc l'amour, c'est le bégaiement. Waouh. Et si tu veux, alors que c'est totalement faux, évidemment, la maman, ça faisait 5 minutes qu'elle tournait dans tout le rayon affolée pour savoir où était son petit. Et si tu veux, elle rencontre là ce truc-là. Ben ça, c'est une structure. C'est une structure parmi tant d'autres. Hein. Il y en a des milliers, si tu veux, en nous. Parce que ça marche avec des structures, c'est comme ça, hein, c'est ça. Pour moi, c'est des petits programmes. Tu veux, c'est la façon dont on le modélise. Hein. C'est des petites programmations internes qui ont un peu comme un vecteur, un point d'origine, une direction et une intensité. Il y en a qui sont plus ou moins fortes dans notre personnalité. Et à partir de là, si tu veux, ces petites structures-là, ben, c'est sur ça qu'on essaie de travailler quand on fait de la thérapie, quand on fait du développement personnel, quand on va faire aussi du mindset, quand on va... C'est sur ça qu'on essaye d'influencer. On essaye d'augmenter l'intensité de ces structures parce qu'on trouve qu'elle est fantastique. On trouve qu'elle nous amène dans la bonne direction. Tu vois, toi, je le sais, tu vas viser, tu as ton cap. Et tu vas, tu as ton cap et tu vas, toi justement, tu as une grande capacité qu'on admire, hein, ça tu le sais, c'est la pugnacité, tu lâcheras jamais rien. Mmh. Et même si parfois tu peux même en faire beaucoup, en faire trop parfois, cette problématique-là peut-être, mais tu ne lâcheras rien. Et ça, c'est magnifique, ça c'est une vraie capacité de leader. Tu vois. Et donc ce mindset, il va amplifier l'intensité d'une structure qu'on a en nous. Ou alors il va essayer de réduire, il va jouer sur ça. Mais maintenant, on va aller un peu plus loin et on va décomposer deux grands types d'inconscients. Il y a l'inconscient qu'on va appeler dynamique, celui qui est superficiel, celui qui va exprimer, on va dire, 99% de la personnalité des gens. Celui-là, c'est celui sur lequel on va influer, mais malheureusement, c'est celui qui va avoir le moins d'impact dans notre vie. Sacré paradoxe. Ouais. Voilà. Et au-dessous, il y a un inconscient profond, une inconscient statique. Et cet inconscient, c'est là où on a toutes nos valeurs. Tout ce qui est... tout à l'heure, Laura parlait de confiance avec des gens qui ont eu la chance, en gros, d'avoir un climat qui favorisait l'épanouissement, d'autres qui ne l'ont pas eu. Mais on peut aller encore plus loin en disant... Et je pense que c'est là d'où elle partait. Hein, c'est qu'en disant que la nature n'est pas identique pour tous. On n'a pas la même génétique. Toi, tu es grand. Moi, j'ai rêvé d'être grand pour jouer au basket, hein, on le sait. Moi, je ne suis pas grand. Bon, mais c'est comme ça et je ne peux pas l'influencer. Je ne peux pas faire du mindset pour me dire « je suis grand, je suis grand, je suis grand ». Alors, je l'ai fait. C'est pour ça que j'ai réussi à se matcher, tu vois. Oui, mais et que je n'avais pas peur des grands. Mais ça n'a pas influencé ma taille. Il y a une limite à ça. Parce que le facteur taille, il est dans cet inconscient profond. Il est dans cet inconscient statique, il est ce qui me définit, mais où j'ai vraiment aucun accès, si tu veux, et où on se heurte tous à ça. Nous non plus, on n'a pas d'accès direct à cette partie-là, évidemment. Personne n'en a. Et si tu veux, c'est là toute la nuance, c'est que tous nos rêves, toutes nos aspirations, elles sont dans cet inconscient profond, et ce qu'on réalise, c'est dicté par l'inconscient superficiel, qui est souvent en opposition. Waouh. Alors, du coup, Delphine, tu veux en dire quelque chose ? Non, pour l'instant, non, c'est très bien. Pour l'instant,
Pour l'instant, il est bien, je ne sais pas, mais par contre, une grosse bêtise, à ce moment-là, j'interviens surtout. Je peux donner un élément. Sur la cohérence dont Laura parlait, toi aussi, en fait, les sujets sur l'incohérence, souvent, on dit qu'il y a une incohérence entre ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on fait, hein, parce que ce n'est pas facile d'être cohérent et d'être intègre à cet endroit-là, c'est-à-dire de penser... faire quelque chose, de le faire comme ça et d'être vraiment très logique par rapport à qui on est. Et en fait, cette cohérence, c'est aussi une cohérence qui est difficile à mettre en place entre la partie consciente, donc celle qui est volontaire, celle qui va de l'avant, le mindset, etc., donc qui repose sur une volonté, une compréhension des choses, et je réponds au biais cognitif, en fait, c'est une façon de comprendre les choses, mais il y a une partie qui est conditionnée complètement par l'inconscient superficiel et ensuite l'inconscient profond. Et en fait, le devoir de cohérence, il va au-delà du conscient, tu vois, il va au-delà de ce que je pense, ce que je fais et ce que je dis, parce qu'il y a un endroit, si on veut pas se tromper, et après, je pense que Pascal reviendra sur le leadership, comment on fait pour vraiment développer son leadership, si on veut pas se tromper, il faut savoir qui on est profondément, parce que la cohérence, normalement, elle part de l'inconscient profond et ce qu'on est, notre ADN, quoi. C'est pareil que ce que vous avez dit avec le basket. Logiquement, malheureusement, si on fait moins d'1m80, il y a peu de chances qu'on fasse du basket. Et ben, c'est la même chose pour la cohérence dans les actions. Ça veut pas dire qu'on peut pas tout faire. Il y a des choses qu'on pourra faire, mais qu'on fera avec difficulté. C'est là où il faut du réalisme et le leader, il a besoin de réalisme, hein, clairement. Mais voilà, la cohérence, elle part d'un endroit où on se connaît profondément, ce qui est souvent un gros sujet en psychologie ou en développement personnel. C'est hyper dur. Oui. Par contre, on sait s'observer, on se connaît. En fait, on pense qu'on se connaît pas, mais on connaît nos schémas et on se voit faire les choses. Ah, ça y est, je recommence, tu vois. Mais en tout cas, voilà, le devoir de cohérence, il est aussi entre la partie consciente et la partie inconsciente, et c'est celle qui n'est pas facile à observer de toute façon. Mmh. Voilà. Alors, comment on peut justement, c'est la question que tu disais que j'allais poser à Pascal, à juste titre, comment justement est-ce qu'on peut accéder à cette partie inconsciente pour développer notre leadership? Alors, pour moi, et pour te connaître, pour toi aussi, tout à l'heure, tu as dit le cap, la visibilité et le bon leader. Il fallait communiquer aussi. Enfin, il y a d'autres choses, hein, mais tu as dit ça. Voilà, mais pour toi, c'était ça qui était important. Mmh. Et moi, je vais te le résumer et je te dirais que un bon leader, il est dans le réel. Mmh. Ça, c'est ma vision, si tu veux, mais il ne se défile jamais. Tu vois ? Et donc, il ne va pas se défiler pour la communication, il ne va pas se défiler s'il faut se montrer, il ne va pas se défiler quand il faut choisir un objectif et donc se couper de toutes les autres potentialités possibles. Il ne se défile jamais. Il est confronté au réel. Et être leader, c'est être leader en entreprise, mais c'est aussi être leader dans sa vie. C'est évident que c'est du professionnel, mais c'est aussi du personnel. Et donc, se confronter au réel, c'est accepter son inconscient. Mmh. Qu'est-ce que mon inconscient va produire? Est-ce que mon inconscient, naturellement, va m'amener à rayonner, justement? Est-ce que naturellement, quand je vais m'exprimer, je vais être compris? Est-ce que naturellement, quand je vais être autoritaire, je vais être écouté, tu vois, ou pas? Et ça, ben ça, c'est le résultat de ton inconscient. Donc, en fait, ce que tu nous dis, c'est qu'on doit observer comment ça se passe pour nous dans le réel. Ça nous donnera des indicateurs et des indicateurs de est-ce que notre inconscient est bien au service de notre leadership actuel. Mais carrément. Et est-ce que, par exemple, quand je mets une vidéo sur YouTube, Facebook, est-ce que j'ai des gens qui me suivent? Est-ce que c'est naturel? Ou est-ce que ça ne l'est pas? Tu vois? Ouais, ou est-ce que j'ai besoin de forcer, en fait, c'est ça? Voilà, est-ce que je vais avoir besoin de me dépasser, le fameux dépassement personnel qui te plaît tant, et c'est ça l'idée. C'est cher et que je te dois. Non, tu ne me le dois pas, mais c'est vraiment ça. Est-ce que je suis naturellement conçu pour ça ou pas? Et déjà, le premier truc, nous donc notre marque commerciale, c'est accepter de changer. Exact. Parce que il faut accepter d'être qui on est. Et potentiellement accepter de changer. Hmm. Tu vois, c'est accepter, c'est une invitation, c'est ER, hein, c'est pas à l'impératif, c'est une proposition. Mais d'abord, il faut se connaître, d'abord, il faut savoir qui on est, hein, c'est ce que disait Delphine. Donc, pour ça, l'observation du réel, c'est fantastique.
Et l'observation du réel, elle peut nous aider à répondre à la question avec accepter de changer, accepter d'être qui on est. Oui. Et ça serait, est-ce que ça serait du développement personnel et accepter potentiellement de changer, comme tu le disais, ça serait plus orienté en mode dépassement personnel du coup. Totalement. Totalement. Après, tu peux associer les deux, évidemment, tout au long du parcours. C'est-à-dire que quand tu te dépasses, eh bien, il y a des fois où il faut savoir ton principe des petits pas, c'est ça. C'est des fois il faut savoir y aller tranquillement et célébrer à chaque étape pour se faire du bien et être plus... En fait, permettre à ton inconscient d'intégrer la nouveauté. Parce que ce qui est naturel, ce qui est fluide, tout le mouvement spirituel, si tu veux, cherche la fluidité. Oui. Je veux être moi-même. Mais moi-même, c'est ce que mon inconscient, si tu veux, me propose naturellement. Si la somme de tous les petits programmes m'amène à une réalité. Cette réalité, c'est mon destin. Tu vois ? Et c'est ça qu'on va chercher dans le monde spirituel. Dans le développement personnel, eh ben, est-ce que ce destin, là, il me convient ? Oui. Tu vois, c'est est-ce que ce destin, est-ce qu'il m'amène à mon objectif, est-ce qu'il m'amène à être un bon leader, donc à montrer l'exemple, est-ce qu'il m'amène à être un bon leader, à donc arrêter la pression, ça on n'en a pas parlé, mais arrêter la pression quand tu manages, c'est important, c'est fondamental que les gens puissent être valorisés aussi. Est-ce que naturellement je vais valoriser les gens ou est-ce que naturellement je vais les dévaloriser ? C'est ça l'idée. Ouais, ça donne des indicateurs. Dans le chat, là, ça serait bien que vous disiez où vous en êtes sur ce sujet-là. Question 1, quand vous observez votre réel, est-ce que ce destin que vous observez, comme Pascal vient de le dire, vous convient ? Lorsque vous observez votre réel, votre vie jusqu'ici, pour le dire très simplement, qui donc nous donne un indicateur de votre destin issu de votre inconscient, si je comprends bien, est-ce que cette situation vous convient ? Dites-nous ce qu'il en est là dans le chat, qu'on puisse voir... comment ça se passe ? Vas-y Pascal, je te sens. Il y a quelque chose qui est fondamental. Oui, mais il y a quelque chose qui est fondamental qu'on oublie. C'est que, surtout, il faut oser ne pas se mentir. Ouais. Oh, oui, merci de préciser. C'est ça le fond. Et c'est ça qui est dur. C'est pour ça que c'est compliqué le changement, on ne va pas se mentir. Hein. Le changement, si tu veux, c'est le changement véritable, pas la pseudo-transformation qui ne tient pas, si tu veux. Mais quand tu cherches à comme les gens qui te suivent, à vraiment transformer leur vie, tu cherches vraiment à apporter de la valeur, on le sait, tu vois. Et donc, cette valeur, pour qu'elle tienne, ben, il ne faut pas s'illusionner sur son point de départ. Ouais. Il ne faut pas, tu vois. Donc moi, je vous conseille d'écouter les avis des autres. D'écouter, même si ça ne vous plaît pas, les voisins, les concurrents qui disent de vous telle et telle chose, tu vois, c'est tous ces petits signes. Et au départ, même de les noter, même si ça fait mal, parce que quand on les plaque sur un papier ou même sur un tableur Excel, eh ben, on se rend compte de la masse, du volume, d'indices, de signes qu'on n'a pas écoutés avant, mais qui existent pourtant. Des stats, en fait, on peut imaginer que c'est des statistiques. On peut recroiser le nombre d'informations qui se ressemblent. Alors, ça ne veut pas dire que c'est exactement ça le réel, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se propose à l'extérieur qui doit être observé et qui permet le changement. Et en fait, là où c'est dur, parce qu'on le sait que c'est dur de changer, parce qu'on le sait tous les trois, hein, que malgré la meilleure volonté du monde et les objectifs et le planning qu'on se met et le projet qu'on a blindé, etc., il y a toujours des choses qui arrivent qui nous mettent à l'épreuve. Hein, le voyage du héros, tous les mythes sont fondés là-dessus, il y a toujours des épreuves pour savoir si on est vraiment motivé par l'objectif ou pas. Et parce que la vision, elle est là, mais l'objectif est là, mais l'enjeu, hein, dont tu parles souvent avec le jeu, pour mettre du recul, et on sait que plus il y a de l'enjeu, plus ça veut dire que pour l'inconscient, profond, et même superficiel, il y a un truc qui est inédit. Et plus c'est nouveau, plus c'est inconnu, plus c'est presque, et c'est ça qui dure, c'est vécu comme quelque chose de dangereux pour l'inconscient profond, qui lui est quelqu'un qui veut pas, enfin, on l'imagine le personnage qui vraiment, mais ne supporte pas le changement, parce que tout ce qui est changeant et qui va, on imagine, hein, je fais exprès de prendre cet exemple-là, quelqu'un qui a ses habitudes,
et on lui a déplacé le verre de 5 mm, ça le rend fou. Bah, l'inconscient profond, il est pareil. Il est en train de se dire, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et il va revenir au naturel, il va revenir à ce qu'il connaît, parce que l'inconnu, c'est impossible pour lui. Et c'est ce que fait l'inconscient. Moi, je le mets toujours là. Hein. C'est pas là qu'il est, évidemment. Hein. Je mets l'inconscient profond ici, tu sais, et l'inconscient superficiel ici, c'est comme ça. Et en fait, l'inconscient superficiel, il dit, mais attends, moi, j'y vais. Tu vois, j'y vais, c'est pas possible, j'en ai marre, je veux changer la situation, j'ai envie de plus grand, j'ai envie de mieux, j'ai envie de changer de vie, etc. Mais des fois, ça fait aller trop vite, ou même le dépassement, il y a un endroit où il faut être très très lucide sur ses capacités. Parce que, on le voit, l'histoire du burn-out, moi je vous en ai parlé hein, tout à l'heure, et puis on est nombreux à connaître cette situation, c'est que on est allé peut-être trop vite, soit dans le changement, soit dans quelque chose dans lequel on se reconnaît pas. Et en fait, ce qu'il faut dire, c'est quand on se dit « c'est pas mes valeurs, je me reconnais pas, etc. », ça veut dire qu'il y a un endroit, forcément de l'inconscient profond, qui n'est pas entendu. Et on oublie qui on est. Et c'est pour ça que nous, on invite aussi souvent à dire « regardez votre généalogie, parce qu'elle vous indique ce qui fait partie de vous, votre inné. » De toute façon, hein, l'inné, l'acquis, hein, on est vraiment là-dedans. Ça vous indique votre inné, ça ne veut pas dire que vous êtes figé, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas changer. Mais par contre, si vous venez d'un endroit où c'est dans la tradition inconsciente d'être comme ça, il y a peu de chances que vous ne le soyez pas. C'est vraiment, là pour le coup, se mentir à soi-même, d'imaginer qu'on va être le super-héros de la famille. C'est compliqué ça. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire. Mais ça veut dire que, attention, ne pas surestimer, parce que la surestimation, elle fait mal, elle nous fait somatiser, elle nous fait être déçu du réel et déçu de nous-mêmes, parce que c'est ça qui est le plus embêtant dans l'histoire, c'est qu'on se déçoit soi-même quand on n'arrive pas à faire quelque chose qu'on a mis trop loin, en fait. Mais alors, du coup, comment on fait? Vas-y, va voir ton chat, Delphine. Évidemment, hein, fallait qu'elle le fasse, hein, je suis désolée. Ouais, on est en mode tranquille, hein. On va élargir l'image momentanément, je refais Delphine quand elle... Ah, on respire. Ah ouais, c'était... on se sentait serré, hein. c'était la chanson de Les Sardines, hein. C'est ça. Après, tu n'es toujours pas là pour parler de ça. Bien sûr, attends. Mais alors, du coup, ça m'amène à une question, ce que tu viens de dire, Delphine. Les générations avant nous, là où on en est, comment peut-on s'autoriser à voir grand, tout court, ou voir grand dans l'expression de notre leadership, si on vient d'une lignée qui n'a pas manifesté dans le réel des choses grandes? Je pose la question, pas au pif. Tu veux répondre tu peux répondre en premier. D'ailleurs, c'est pas moi qui vais répondre. Moi, l'avantage, c'est que je pose la question. Ah oui, toi, tu te débarrasses. Mais attends, on va te poser des questions avant la fin de la session. Ça va. Non. Alors, comment on fait? Comment on fait? On a cette transmission donc de valeurs profondes qu'on partage avec la famille et qui sont donc des valeurs qui sont dans notre inconscient, donc en bas, l'inconscient de base profond qui bougera pas. Donc, globalement, si je suis dans une famille où on a l'habitude d'être effacé, et un leader, ben, normalement, il n'est pas effacé. Au moins, il va peut-être pas être grand public, tu vois, mais au moins, il va pouvoir être capable de parler devant 300 personnes dans son entreprise. Il va pouvoir faire tout ça. Et imaginons qu'on vienne d'un milieu où, au contraire, on se cache et donc on a ça au fond de nous. Donc, les signes qui vont être extérieurs, ça va être qu'à chaque fois que je vais devoir faire un petit discours, même devant 5 ou 10 ou 20 personnes, ça va me faire mal. Ça va me faire mal, ça va me titiller. Alors, je ne vais pas savoir pourquoi. Donc, je vais essayer d'aller chercher, je vais peut-être faire de la thérapie, je vais peut-être faire plein de techniques, en gros, pour essayer d'aller mieux. Je vais avoir, en fait, une confrontation entre mon inconscient superficiel et mon inconscient profond. Ça va générer... Il y en a un qui veut aller à droite, un qui veut aller à gauche. OK. Donc, mon réel fait que normalement, on est écartelé, mais normalement, on ne va pas, si tu veux, on va suivre le rythme de la création de l'entreprise. Mais on ne devrait pas décoller, ça va être super dur de décoller quand on est comme ça. Parce que à plus de 5 personnes dans ma boîte, je suis en stress. Et c'est là où on va venir te voir et où on va apprendre. On va, on va passer donc par le conscient, pour dire, mais attends, moi, j'ai envie de changer mon destin tel qu'il est, il ne me satisfait pas. Et donc, je veux aller plus loin. Donc, Nicolas, est-ce que tu peux me donner des astuces pour y aller, tu vois? Et là, tu vas nous indiquer les premières astuces qui vont nous permettre de déclencher le truc et ça va nous permettre d'avancer. Ça, c'est la vie, on va dire, normale plus plus.
je dis bien normal plus plus, hein. C'est-à-dire que ben, on sait que l'apprentissage, ça fait du bien. Je crois qu'il y a plusieurs, je crois qu'il y a à peu près 40 milliards qui sont investis chaque année en France dans la formation professionnelle. Donc, on sait très bien que pour se dépasser un petit peu, si tu veux, il va falloir apprendre. Mmh. Et toi, ce que tu fais, c'est tu amènes les gens à se dépasser, tu leur apprends les trucs et en plus, tu leur amènes la confiance dont parlait Laura tout à l'heure. Tu vois, c'est tu leur amènes de la confiance. Moi, je sais que tu m'as fait faire des exercices à la confiance et que c'est bénéfique, que tu sens que c'est, tu sens que c'est un soutien, en gros, qu'il y a quelqu'un qui te tient, tu vois. Ce quelqu'un, c'est soi-même, hein, évidemment. Absolument. Mais tu sens que, tu vois, t'es tenu, tu peux y aller, voilà. C'est l'empuissancement dont je parlais tout à l'heure. Mmh. Voilà. Et donc, comment est-ce qu'on va faire ? Eh ben, on peut pas toucher cet inconscient réel. On peut pas. C'est miraculeux, tu vois. Alors, il y a beaucoup de gens qui prennent ça, qui expliquent que c'est faisable, etc. Moi, de tout ce que j'ai vu et toutes les expériences que j'ai pu faire, ça ne fonctionne pas véritablement. C'est un coup d'esbrouf parce qu'on t'enlève un truc qui va ressortir un peu plus loin. Mmh. Tu vois. Mmh. Là, tu as deux structures qui s'affrontent. Oui. Eh ben, il faut montrer à cet inconscient superficiel qu'il n'a pas à avoir peur de la valeur profonde. Il n'a pas à, si tu veux, il n'a pas à, c'est pas son mode de vie, c'est pas celui de ses ancêtres. Pourquoi il y a des riches, des pauvres, etc. et que ben, on reste dans notre conditionnement, on est déterminé. Ben parce que globalement, dans notre milieu, on nous a éduqués en nous disant, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Il n'y a pas trop de risques et il y a plein de choses à faire, tu vois. Nous, les pauvres, on a l'amour. Tu vois, moi, j'ai entendu ça quand j'étais petit. Hein. Les riches, c'est des salauds. Ensuite, quand tu es dans la bourgeoisie, on t'explique que tu as un devoir social et que sans toi, la société ne tournerait pas parce que c'est toi qui crée les emplois, etc. etc. C'est, tout le monde est satisfait inconsciemment au plus profond de ce qu'il est. Et pour changer, si tu veux, c'est là où il va falloir recréer, si tu veux, une acceptation de cette nouvelle direction. Donc, au départ, on n'a pas le choix et on accepte les incohérences et donc ça frite. Ouais. Ça frite, nous on appelle ça le dégazage, c'est-à-dire que tu as de l'énergie en toi qu'il faut sortir. Donc, soit tu fais du sport, une dépense physique, de la sexualité, d'une addiction, de l'alcool, de la drogue, même si ce n'est pas recommandé évidemment. Mais si tu veux, c'est ça, hein. C'est comme un peu les chanteurs qui tournent avec des substances illicites parce que. Ouais. Ils ne sont pas en cohérence intérieure. Tu vois, le gars, il joue dans son garage et d'un seul coup, il joue sur scène. C'est pas la même. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, l'idée, c'est de commencer à déjà le voir, tu vois, qu'il y a une incohérence. Et ensuite, la dégazer au fur et à mesure. On ne peut pas se dire qu'on fait du changement sans mettre en place toute une stratégie de dégazage. On appelle ça dans le milieu, à mon avis, c'est prendre soin de soi. Ça, c'est le leader. Mais c'est juste parce que le leader, il change tout le temps. Le leader, s'il ne prend pas soin de lui, il est dans les choux, quoi. Oui. Tu vois, le leader, il se dépasse en permanence. Et donc, s'il se dépasse, il met sous contrainte son propre inconscient. Excellent. Voilà, c'est donc oui, et c'est le réel, nous, notre philosophie, hein, et qui est très pratique, parce que c'est la seule façon, si tu veux, qu'on ait trouvé de faire changer les gens et de changer, et de nous-mêmes de changer, c'est d'avancer pas à pas, tout en mettant en place, donc avec de la stratégie, hein, évidemment, et tout en mettant en place ce système de dégazage qui est primordial. Si tu n'as pas ça, tu n'avanceras pas parce que ton inconscient va être sous tension et tu sais, une cocotte minute, au bout d'un moment, elle pète, mais même si elle ne pète pas, ton intérieur ne te laisse pas faire, quoi. Oui, c'est-à-dire que, tu vois, au moment où tu vas faire ta TEDx, tu vas te casser la cheville parce que c'est trop pour toi, parce qu'avant de faire la TEDx, il faut faire des choses. Alors, super exemple, parce que là, on a Franck qui pose une question, moi je connais la réponse, mais qui pose une question, est-ce qu'un accident de voiture, par exemple, est la conséquence de ce que je n'ai pas voulu voir ? C'est probable, si tu veux. C'est pas toujours, hein. On va dire que, mais c'est probable. Là, moi, je te dirais que Franck, il doit manquer de liberté, tu vois, et donc, tout simplement, il s'emprisonne avec cet accident de voiture, tu vois, alors il y a des gens qui vont dire ils s'auto-sabotent, etc. Mais ça, c'est pas mon. C'est pour essayer de refaire des liens, si tu veux. C'est le. Tu vois, mais ce qui est important vraiment de comprendre, c'est que
le changement doit s'accompagner, c'est une obligation, sinon l'inconscient ne laisse pas faire. Mmh. Et c'est l'inconscient qui dirige le réel. Mmh. Mmh. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, on peut... Il y a un sujet qui est important et sous-jacent, et je veux vraiment qu'on le toilette pour que ça soit clair. On n'est pas enfermé par le déterminisme de notre inconscient profond, ou bien, comme disent les Suisses, point d'interrogation. Ils sont forts, ces Suisses. On n'est pas... Alors, là, je vais prendre la réponse. Ouais, on n'est pas enfermé, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas condamné. Par contre, on est conditionné. Non, mais là c'est... Alors, du coup, c'est moi qui vais faire les jeux de mots. On n'est pas condamné, mais on est conditionné, c'est clair. Mais ce n'est pas plus mal, parce que ça veut dire qu'on a une base sur laquelle travailler. Si on partait de rien du tout, ça serait infernal, on ne pourrait rien faire. Parce qu'il y a, encore une fois, quand on est dans le développement personnel ou d'autres choses, la première chose qu'on essaie de faire, c'est donner du sens à notre vie et de poser nos valeurs, de savoir qui on est. Il faut se dire que ça nous permet de savoir qui on est en partie. Ça nous conditionne, donc ça veut dire que ça nous pénalise de temps en temps. Et en même temps, ça dépend, parce que ça nous favorise sur plein de sujets. Faut pas toujours dire que c'est un obstacle. C'est un capital, quel qu'il soit. C'est comme dans les jeux dont on fait souvent la référence avec des jeux. On a toujours des points de vie ou des points dans certaines compétences et moins dans d'autres. Mais c'est normal. Sinon, c'est injuste. Là, pour le coup, c'est injuste, le réel. Il y a qu'un endroit où on va rentrer en... Ah. Ça veut dire quelque chose, Pascal, si ça coupe là, n'est-il pas ? Ah, là, Delphine, c'est les justices. Explique ça, Pascal. Attends, ouais. Delphine, il faut que tu stoppes 2 secondes, Pascal va expliquer ce qui s'est passé. Alors, on a des problèmes techniques, ça peut arriver, il y a des incidents, il y a pas mal de choses, mais c'est vrai que l'informatique, ça réagit très, très bien. Et quand on parle d'un sujet qui nous touche, très souvent, on va avoir des manifestations du réel, et ces manifestations du réel, ça peut être une perte de connexion, ça peut être on l'a senti au tout démarrage de la vidéo, tu as essayé de le masquer, mais maintenant il faut le dire, quand tu as fait notre annonce, il y avait un chat dans la voix. Je l'ai senti, tu sais quoi, je l'ai senti, je dis purée, c'est pas vrai quand même, je l'ai senti quand vous n'étiez pas encore à l'écran, je l'ai senti et j'étais là, oh non. Voilà, et bien ça, il faut en rigoler. Il faut rigoler, mais il faut l'accepter, il faut au moins le noter, parce qu'on ne le comprendra peut-être pas tout de suite. Là, on peut le comprendre, on peut l'expliquer, mais on ne le comprendra peut-être pas tout de suite, mais on le comprendra au bout de 2, 3, 10 fois, et en plus, il y aura d'autres choses qui seront venues se greffer, qui seront encore plus significatives. Et donc là, Delphine, l'injustice, c'est le sujet. Vas-y, pardon. Il y avait injustice, et en fait, j'étais en train de le noter justement pour pas l'oublier. J'étais en train de dire que ce qui est chouette malgré tout dans l'histoire, c'est que on est différent. On est différent dans nos faiblesses, on est différent dans nos forces. Allez. Et c'est ce qui nous fait aller les uns vers les autres, et c'est là où ça a bugué. C'est parce qu'il y a la notion d'utilité qui est compliquée, parce qu'on ne doit pas se sentir forcément utile dans le réel pour exister, mais en même temps, on en a besoin. Parce que quand on cherche son sens et qu'on cherche sa valeur, c'est bien pour se dire « je suis là pour une raison ». Et je suis là pour être utile aux autres ou me dire que ça a du sens, la façon dont je suis. Même quand je galère, ça a du sens. Et donc, il y a l'utilité dessous. Et c'est pour ça que je disais, c'est ce qui nous fait nous rencontrer. Si moi, je suis fort dans un truc, moi, je suis fort dans plein de choses. On plaisante et on se connaît tous les trois, donc c'est pour ça qu'on se permet la blague. En fait, ce qui fait qu'on est en synergie, Pascal et moi, ou nous trois, quand on travaille ensemble, c'est bien parce qu'on n'a pas les mêmes compétences. Sinon, et c'est ça qui est chouette, c'est qu'on s'apporte. Et en fait, c'est comme ça dans le réel avec tout le monde. Et je rejoins l'histoire d'optimisme ou l'histoire de, tu sais, cette façon de penser les choses et de voir les choses de manière positive et de s'engager à les voir comme ça, etc. Ça en fait partie. C'est ce qui nous relie les uns aux autres. Si on avait tout ce dont on a besoin et qu'on avait déjà tout depuis le départ, on serait des gros égoïstes, on n'irait jamais voir les autres et on serait autosuffisant. L'autosuffisance, ça crée l'autarcie, ça crée le manque de communication, ça crée le manque de relations, etc., etc. C'est pas ce qu'on veut. Maintenant, ça veut pas dire que c'est toujours facile et oui, il y a des situations qui sont plus favorables à certaines personnes qu'à d'autres. Ça, faut pas se leurrer. Mais en même temps, toujours pareil, oui et non, parce que des fois, faut regarder ce qui a l'air d'être superficiel et positif
en superficialité, même voire factice, et voir la profondeur, parce qu'on a tous les mêmes sujets de besoin de reconnaissance, de besoin de sens dans nos vies, de besoin d'être aimé, etc., etc. Si tu veux, le leadership, il en fait partie. Je pense que même il y a une partie où le leader, sa volonté, à mon avis première, c'est d'être reconnu par les autres. Sinon, il se met pas en avant. Et c'est très bien comme ça. Quelqu'un a dit, alors la place de l'ego, ben, l'ego, faut lui foutre la paix. Déjà. Vas-y sur ce sujet. Parce que l'ego, c'est tranquille. En fait, on le condamne. Alors, en spiritualité, en développement personnel, on dit remettez votre ego, cachez-le, surtout, ne le montrez pas, parce que c'est moche de montrer son ego. C'est moche d'être fier de soi, c'est moche, etc. Et en fait, l'ego, il y a un endroit où, oui, clairement, ça peut nous emmener dans l'illusion et donc dans l'erreur et donc dans la tristesse, etc., hein, dans l'échec, clairement. Mais il y a un endroit, c'est lui qui nous fait avancer. Parce que si on est le mindset et tout, si on n'est pas convaincu et que ça va changer, il n'y a personne qui va le faire à notre place. Hein, et donc, cette énergie, il faut la trouver quelque part. Et en moins, l'ego, il nous permet de faire ça. Il nous dit, t'inquiète, ça va aller. Et des fois, ce n'est pas vraiment vrai. Mais au moins, c'est lui qui nous a fait bouger du canapé quand vraiment, on est en dépression totale et on se dit, je trouve l'espoir là où je peux. Et ben l'ego, il nous fait sursauter. Moi, Pascal, il me taquine des fois parce qu'il sait que quand je bosse pas assez, dans le sens, je devrais faire plus de temps en temps, on le sait. Et il me pique mon orgueil parce qu'il sait que je suis efficace, mais qu'il sait que des fois, il faut me remotiver. C'est pas parce que j'ai pas envie, c'est que des fois, je perds pas la motivation, je perds confiance en moi. Allez, on va dire ça comme ça. Alors, il me pique l'orgueil un peu en disant, mais ah, et là, et en plus, je réagis, et du coup, ça marche. Et je lui ai dit, ne le fais pas trop souvent quand même. Parce que... voilà. Et c'est pour ça que ça fait partie un peu d'ego. Et tant mieux, parce que de temps en temps, il faut pas se l'enlever. C'est celui qui nous fait bouger. Quand ça va pas ou c'est difficile, eh ben, il faut l'utiliser. C'est une compétence comme une autre. C'est tout. Tu le vois comment, toi, Nicolas, l'ego? Jusqu'à encore il y a peu de temps, je ne le voyais pas de façon aussi claire que ça. D'ailleurs, c'est intéressant parce que je communiquais au sein du mastermind de Martin Latulippe dans lequel je suis, dans le cercle d'excellence. À un moment donné, j'avais posé une question qui était, bon, voilà, moi, ce sur quoi je travaille, ce sur quoi vous m'aidez, c'est de devenir le numéro un sur le mindset en francophonie. Et j'ai posé la question qui était, mais est-ce que ce n'est pas un truc d'ego derrière, etc. Et c'était encore assez récemment, c'est il y a quelques semaines de ça. Et en fait, une super réponse que François Lemay, l'excellent François Lemay, m'a apportée, c'était Nico, bien sûr. Nico, excellent. Bravo. Ça, <c'est fait. rire> Oui. Merci beaucoup. Tu as la confiance profonde de me faire ressortir ça. Nico, il me dit bien sûr que c'est ton ego. Et où est le mal? C'est ton ego et ça te fait avancer. Mais jusqu'avant ça, j'avais du mal à voir ça. C'est une espèce de dualité, de rejet de l'ego, etc. Ça fait partie de mon ego, c'est OK. Et si mon ego me donne l'énergie et me permet d'avancer dans un chemin qui m'inspire, ma foi, la vie est belle. Le danger à mes yeux, au regard de l'ego, serait que l'ego prenne le dessus et que je ne mette plus de conscience. Moi, j'aime bien mettre de la conscience, que je prenne plus de conscience des manifestations de mon ego qui me ferait certainement aller dans des directions qui ne seraient pas ce que j'appelle ma vision inspirée ou ce qu'on évoque depuis le début de cet échange. Ok, alors tu vois, je vais rebondir sur ça. Oui. Et l'ego, donc, qui est associé très souvent à l'orgueil, oui. La vanité, tu vois, oui. C'est, oui. L'ego voilà, développe tout ça. Donc, tu le sais, nous, on est dans un mode où on va favoriser la fierté, le dépassement c'est personnel, bien. Etc. Ça, c'est quelque chose qu'on partage hein, ensemble. Ce n'est pas de ça dont on va parler là, à mon avis. C'est plus la surestimation de ses capacités. L'ego, il va te faire croire que, si tu veux, l'ego, il est dans cet inconscient, il est globalement dans cet inconscient superficiel qui, si tu veux, a le même objectif que celui que tu as au fond. Par exemple, si quelqu'un, allez, on va parler un peu d'ambition inconsciente, si quelqu'un a une majorité de schémas, on va dire, dans son inconscient qui l'amène à chercher la liberté dans le monde, tu vois, à retrouver sa liberté, ça peut être ça, son sens de vie. Il va être heureux quand il va toucher ça, mais il va rarement le toucher. Rarement, il sera dans la liberté. Alors pourquoi? Parce que l'inconscient superficiel qui va gérer 99% de ses actions, eh ben, lui, il croit qu'il a 18 sur 20 en liberté. Alors qu'en réalité, il a peut-être 4 ou 5.
Donc, ce n'est pas du tout la même compréhension. Il va se croire libre alors que la personne, elle est cadenassée dans sa vie, elle fait toujours les mêmes actions, tu vois, il y a une routine, voilà. Et cette personne-là ne va pas le voir. Et en tant que leader, si tu ne vois pas ça, si tu restes dans ton fonctionnement, tu vois, automatique, tu vas rater des pans entiers du leadership. Ok, alors je pose une question pour les personnes qui écoutent, dont je fais partie. Comment savoir quand on est sur le chemin de la surestimation de nos capacités, du coup, camarade ? Tu veux y aller ou j'y vais ? Moi, ça n'arrive jamais, je vais laisser Pascal répondre. évidemment. Alors, les symptômes vraiment communs, c'est qu'on va rejeter la faute sur un tiers. On va rejeter la faute. Mmh. C'est-à-dire qu'on va dire... C'est pas ma faute, c'est la faute de Nico, tiens, parce que tu es là, alors c'est toi. Je ne peux pas dire que c'est Delphine, sinon après je vais en entendre parler pendant quelques semaines. Alors que je suis tranquille, neutre, moi c'est cool. Voilà, donc c'est la faute de Nico, c'est la faute de l'économie, c'est la faute de la Covid, c'est la faute d'un groupe ethnique, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute des lois qui servent à rien, c'est la faute de tout ce que tu veux, si tu veux. L'attribution causale externe, j'attribue la cause de ce qui ne va pas à quelque chose à l'extérieur de moi. Je suis malchanceux, j'y suis pour rien, moi. La chance, oui. Okay. Tu vois, voilà, c'est ça le truc. C'est le premier impact, c'est ça. Le deuxième symptôme, vraiment, c'est que ça ne bouge pas. Malgré tous les efforts, et on le sait, hein, et toi tu le dis, c'est l'action massive, il faut qu'à un moment donné, il faut passer à l'action, quoi. On ne peut pas se permettre de ne pas passer à l'action. Malgré l'action massive, ça ne bouge pas. Ben, là, c'est de la surestimation. Ouais. Vous avez fait une action, vous l'avez répétée, vous avez fait des conférences de partout en France, vous avez fait le job, et ça ne bouge pas, c'est parce que c'est les auditeurs, hein. Franchement, ils ne comprennent rien, c'est con, hein. Je te jure, hein, c'est incroyable. Hein. Ils sont débiles. Hein. Donc, les gens qui observent qu'ils sont dans le rejet de la faute sur les autres, et c'est les deux ou ça peut être que l'un des deux ? C'est les deux. Moi, je te dirais c'est les deux. OK. Et que ça ne bouge pas, ouais. Ça veut dire qu'ils ont besoin de d'évaluer un peu leur objectif ? Alors, qu'est-ce que ça implique ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Il y a, en gros, on prétend être une personne qu'on n'est pas. Et les expériences qu'on va vivre vont être adaptées à cette image, si tu veux, faussée. L'univers, moi je parle de l'univers, hein, l'extérieur, c'est juste une machine à distribuer des expériences. Et on a un message inconscient en nous qui se diffuse en permanence. C'est ce qu'on va capter quand on est dans l'empathie, quand on est dans l'intuition. Tu vois, on va capter ça chez les gens et c'est ça, bah, moi, que je fais. Hein, je décode l'inconscient des gens grâce à ça, grâce à ce qui dégage, si tu veux, tu le sais. Et donc, ce message qui sort, c'est ça qui va créer ta réalité. C'est-à-dire que l'univers, c'est une matrice qui répond à ta demande inconsciente. Donc, si imagine un petit programme là et il est tout le temps en surchauffe. Tu dis je veux rencontrer des gens, donc toi tu as 10 sur 20 dans je veux rencontrer des gens, tu vois, si on devait le quantifier, mais tu dis moi je suis à 18 sur 20 sur je veux rencontrer des gens. Et ben tous les jours tu vas avoir des gens qui vont venir, il y a des gens du voyage qui vont venir foutre leur caravane juste devant chez toi, qui vont jouer de la guitare, qui vont machin, ça va être le premier jour. Ensuite le deuxième tu vas avoir des gens qui vont venir te voir chez toi pour te demander s'ils peuvent camper, tu vois, etc. ça, tu vas en avoir tout le temps parce que le message va être adapté à quelqu'un qui aurait 18 sur 20. Et ça, c'est quand on se surestime. En gros, on n'a pas le message qui nous permet d'évoluer. On n'apprend rien. On est complètement dépassé. On va être en surchauffe. On va forcer. C'est évidemment la zone des burn-out aussi. Hein. C'est ce qu'avait fait Delphine certainement dans son entreprise avant. Tu vois, c'est ça. Et donc, il faut redescendre le curseur. Ouais, c'est ça. Plus de réalisme. Un bon leader, il est réaliste. Hein. Donc, joli, joli. Merci pour ça. Ouais. Quand tu vois le truc qui t'arrive, quand tu vois que tu chauffes, quand tu vois que les événements ils sont pas appropriés, quand à chaque fois tu es le seul dans ton groupe, quand tu travailles avec plusieurs, ou ben, je sais pas, moi j'ai plein d'emmerdes, je sais pas comment vous faites, ça c'est ça vient de toi. Et pour ceux qui ont toujours des problèmes avec leur banquier, le truc comme ça, ou les trucs, hein, Pascal, pas les banquiers, mais les communications comme ça, il dit mais toi tu vis pas. Ah mieux, ça s'est amélioré.
Ah, parce que je lui ai dit, mais moi, j'ai jamais ça. Il dit, non, mais toi, tu vis pas dans le vrai monde, hein, parce que sinon, tu aurais la même chose. Ben oui, mais je sais pas. Donc, on plaisante, mais voilà, ça fait partie de ça. Et en fait, justement, burn-out ou bore-out, c'est exactement ça. C'est quand t'es en train de te surestimer, pour maintenir ton réel à un certain niveau, t'es obligé de surconsommer de l'énergie. T'es obligé, toi, de manière factice, alors là, t'es du dépassement, mais outrancier, si tu veux, où tu sens que physiquement, tu t'épuises. Quand on sent qu'on va au boulot et qu'on est épuisé en rentrant, ou que quand on va faire justement on voit des gens, on est épuisé, c'est souvent mon cas, hein, moi il y a des endroits où je suis comme ça, il faut se dire oula, là je suis épuisé physiquement, c'est pas de la fatigue, genre il faut que j'aille me coucher, c'est je suis épuisé, on m'a enlevé toutes mes vannes là, tu vois. Et ben c'est ça, c'est dit, je suis en train de surconsommer de l'énergie pour maintenir mon réel à un certain endroit qui est pas à mon niveau. Faut que je revienne. Et le bore-out, c'est l'inverse. C'est-à-dire que, par contre, j'y suis allée tellement pépère que, de toute façon, je sous-consomme de l'énergie et donc je m'ennuie et donc je déprime, etc. C'est le même truc. Hein. Et donc, l'idée, c'est de réussir à comprendre quelle est la zone dont Pascal y parle en peur évolutive, hein, mais en fait, une zone qui nous challenge pour ne pas faire peur, parce que le mot peur, à chaque fois, il fait flipper. C'est comment on se met dans une zone qui ne va pas être trop exigeante, qui va nous permettre de nous dépasser, qui va nous permettre de temps en temps de se reposer, parce que l'idée, c'est de se faire aussi, d'être tranquille et de, dès qu'on a fait une action qui nous a demandé beaucoup d'efforts, surtout soit compenser, enfin décompenser, décompresser, etc., etc., pour retrouver un capital d'énergie, parce qu'il nous faut de l'énergie pour avancer dans le réel aussi. Et là, je ne parle pas d'énergétique, hein, je parle d'énergie au sens de la puissance, de la volonté, tout ça, ça rentre dans la même chose, en fait. Oui, donc ça renvoie à ce schéma de la zone de confort pour pouvoir en sortir un peu ce que toi t'appelles, ce que vous appelez tous les deux la peur évolutive. En fait, c'est ce que moi je vois derrière la zone de friction qui est un petit peu en dehors mais qui est pas trop loin. Ça chauffe un peu, ça frictionne un peu. Ensuite, on va vers ce qu'on pourrait appeler une zone d'évolution qui avec le temps va devenir la nouvelle zone de confort en fait. Oui, si tu laisses le temps d'intégrer à ton inconscient. Tu vois, quand tu avances, quand tu changes, tu as ton inconscient profond qui a une valeur, il veut la voir s'exprimer. Mais encore une fois, lui, je te mets des chiffres pour que ça exprime un peu plus, mais il a 4 sur 20 en partage, ou 4 sur 20 en liberté, ou en paternité, il veut se faire voir, tu vois, mais il a 4 sur 20, et l'inconscient superficiel pense que bah, tu es une superstar, il est à 18. Et donc souvent, on a des excuses après, parce qu'on dit, ouais, mais je ne peux pas le faire parce que machin. Non, si tu laissais la porte ouverte à ce qui est au fond, tu vois, tu pourrais le faire. Et donc, on essaie, si tu veux, de laisser un petit peu d'espace en haut pour que ce qu'on a en nous, mais plus profond, puisse s'ouvrir, puisse jaillir, si tu veux. Et c'est ça tout le challenge. Mais pour que ça puisse se faire, il faut qu'on ait des expériences à notre niveau. Ni trop basse, comme on disait tout à l'heure avec Delphine, où on se sous-évalue, ni trop haute. Et ça, il n'y a que le réel qui va te dire si c'est trop haut ou trop bas. Les effets du trop haut, on les a dit, donc c'est on rejette la faute sur l'autre et on peut plus évoluer, tu vois, et on est en friction. Et les effets d'en bas, c'est la fatigue et la déprime. Tu vois, tu l'as fait 1000 fois l'action, ça a plus aucun sens. Est-ce que là maintenant, Nico, si je te dis, Nico, est-ce que tu as envie de venir colorier une heure avec moi des dessins d'enfants pour et dépasse pas Nico, attention. Hein. Personnel du dessin. Voilà, c'est bon, c'est dur quoi. Ouais. Parce qu'on va l'oublier, mais ce qui est fondamental là-dedans, en fait, c'est même pas le fait de surestimer ou pas, parce que oui, ça a des impacts, mais tout ça, ça vient d'un vrai manque de confiance, et c'est ça qui est triste, c'est qu'on s'estime pas. C'est pour ça qu'on dit accepter de changer, parce que la base, c'est de s'estimer. Et on le sait, hein, ce sujet-là aussi, il est très dur, parce qu'on se trouve jamais au niveau. On pense qu'on n'est jamais compétent, on pense qu'on n'est jamais aussi puissant. Ah, tu vois, oui. elle a reparlé confiance, et bim, ça a coupé. C'est la puissance que ça a coupé. Eh oui. Ouais, mais c'est bien fait. Hein. C'est Delphine, je pense que tu as un sujet à travailler. Mais justement, j'étais en train de dire, comme tout à l'heure, le côté où on pense qu'on n'est jamais aussi bien que le voisin. Clairement, moi, j'ai cette problématique-là depuis toute petite. Et vraiment, un truc, c'est comme ça. Et c'est ce qui nous fait exagérer à certains endroits ou aller chercher l'ego, justement. Parce que le coup de boost dont on a besoin, c'est ça aussi. Quand on trouve qu'on est complètement nul,
ben, on fait ce qu'on peut quand on veut avancer. C'est vraiment ça. Hein. Et des fois, c'est pour ça qu'il ne faut pas se condamner, il ne faut pas se culpabiliser. L'erreur qu'on peut faire, et là où on peut s'en vouloir, c'est de persister dans un truc qui nous fait du mal ou qui fait du mal aux autres. Ça, c'est une erreur. Ça, c'est pas bien, clairement. Par contre, s'en vouloir, parce qu'il y a des schémas limitants, qu'on reproduit des... Il y a des choses qu'on n'arrive pas à gérer soi, on ne peut pas s'en vouloir. Parce qu'encore une fois, on ne peut pas se condamner d'être qui on est, sinon c'est pas possible. On ne va pas s'en sortir. Et c'est pour ça qu'il faut accepter ça au départ. C'est une acceptation, c'est dire « Ok, ben, je suis comme ça ». Ben, qu'est-ce que je fais? Et toi, en plus, tu le dis beaucoup, ça, Nico. C'est OK, quelle que soit la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux faire demain? Sinon, tu restes, tu stagnes, tu te complais, et on en a besoin de temps en temps. On a besoin de se dire je vais pas bien et de pleurer ou d'accuser la tristesse, quoi. Il faut qu'elle s'intègre. Mais il faut réussir à aller de l'avant. Enfin, il faut réussir à transformer ça. Et c'est vrai que c'est pas facile. Et quand on n'a pas confiance en soi, soit pas confiance, ça c'est les concepts aussi qu'on développe, soit pas confiance naturellement, soit qu'on n'a pas une foi, là, le truc qui fait qu'on sait que ça va marcher, on ne sait pas pourquoi, mais ça, eh ben, c'est vachement dur. On lutte avec soi-même, hein, donc il faut trouver des ressorts pour avancer, où on peut les trouver, mais par contre, ce que vous disiez tous les deux, il faut être lucide sur la finalité, les moyens. Les moyens, ils ne peuvent pas devenir la fin, ce n'est pas possible. Ils ne sont qu'un élément qu'on va prendre de temps en temps pour notre vision, notre objectif, voilà, notre cap, comme toi tu le dis. Ouais, et donc vraiment cette notion d'estime que tu évoques, et je veux vraiment partager ma vision de l'estime et de l'estime de soi, enfin la mienne, c'est pas la mienne d'ailleurs, donc je vais rendre à César ce qui appartient à César, c'est Joule et Beauvois, qui sont deux psychosociologues experts de l'estime de soi, qui ont interviewé des enfants pour définir c'est quoi l'estime de soi, en disant c'est quoi l'estime de soi. Il y a un des enfants qui disait l'estime de soi, ben... Faut que j'arrive à... C'est comment je me vois. Ouais, c'est bon. Vas-y, enlève ta tête, Pascal. Sors de là. L'estime de soi, ben, c'est comment je me vois et si ce que je vois, je l'aime ou pas. Et c'est le début de l'acceptation de changer que vous proposez dans votre concept. Parce que je peux très bien me voir avec des canons standards de ce qu'on veut, la beauté, l'intelligence, tout ce qu'on veut qui soit au top et en même temps ne pas aimer ce que je vois. Il y a plein d'êtres humains qui sont dans ça. Et c'est là où vos travaux, notamment sur la fierté, sont importants. Il y a un aspect que je voudrais vraiment aborder, parce qu'il y a des gens dans la vie qui disent « Moi, il m'arrive que des problèmes, que des embrouilles, que des ceci, cela, et j'ai jamais de chance. » Alors, je sais où je veux vous amener. La chance, ça existe ou ça n'existe pas? Alors, la chance, ça n'existe pas. C'est une multitude, en gros, de schémas. Qui, toujours pareil, ce schéma que j'ai en moi qui dit que je veux pas réussir. Moi, je l'ai eu. Hein, on prend mon point de départ. Et même, très clairement, moi, je me sabotais, on pourrait dire. Okay, extérieurement, j'avais pas de chance. À chaque fois que je faisais un truc, ça se construisait. Et hop, soit il y avait quelqu'un qui me trahissait, soit alors il y avait... ça, c'est très courant aussi, des gens qui disent, moi, dans les affaires, à chaque fois que je m'associe, c'est une catastrophe. Toi-même, tu es touché par ça dans ce... J'ai vécu ça de façon innombrable, on a déjà bossé dessus, effectivement. Voilà. Je l'assume, je suis capable de le dire. Ouais, ouais. Et tu vois, donc et moi, c'est pareil. Moi, il y avait toujours un truc qui faisait que ça capotait, quelle que soit l'énergie que j'avais mis dans le projet, quel que soit tout ça. Et donc, ben ça, on se dit, ben c'est la faute de l'autre. Donc, très souvent, c'est une surestimation. Tu vois, joli. On revient à ça. Ouais, très juste. Et donc, là, j'en profite pour dire, quand vous avez une entreprise que vous gérez 10, 20, 200 personnes et que vous vous surestimez, c'est pas seulement dur pour vous, c'est dur pour tout le monde. Parce qu'il y a tout le monde qui rame, parce que l'entreprise subit des expériences, on va dire, qui ne sont pas à son niveau. Et toute l'entreprise est en surchauffe. Tu vois, moi, j'ai vécu ça dans une des boîtes où j'étais, où le patron se surestimait. On travaillait tous les samedis matin en plus. Il y avait toujours tu vois, parce que lui, il disait, moi, je sais tout faire, j'ai pas de problème, machin. Ben, tout le monde travaillait comme un chien, parce qu'il y avait ce truc-là. Et on n'était pas reconnus, etc., etc. Hein, tu vois, c'est vraiment tout un package qui va avec. Donc, les gens qui n'ont pas de chance, c'est observer d'où vient ce manque de chance. C'est-à-dire commencer à le noter, commencer à prendre ce fameux tableau Excel ou ce papier et à dire « j'ai pas eu de chance dans telle circonstance ». Et ensuite, vous allez pouvoir faire des liens. Parce que les liens, c'est que vous n'avez pas de chance, peut-être parce que vous agressez les gens.
peut-être que vous n'avez pas de chance parce que vous avez le nez pour aller avec des losers. Ça, moi, c'était mon cas. Hein. C'est-à-dire que moi, tous les gens que je sélectionnais, et j'espère qu'ils nous regardent, hein, parce que c'est, tu vas voir, ça va être sympa. Tous les gens que je sélectionnais, ils étaient dans le même niveau d'impuissance que moi. Donc, ils avaient une grande partie d'eux qui disaient, de toute façon, on ne peut rien faire, le monde est comme ça, on ne peut rien réaliser, tu n'es pas né avec une cuillère en argent dans la bouche, donc tu ne feras rien dans ta vie, etc., etc. Mais on ne le savait pas, on n'exprimait pas ça extérieurement. Mais au fond, c'est ça qu'il y avait. Et donc, à toutes mes associations qui étaient fluides, qui étaient belles, où je sentais que c'était chouette, presque de l'amour professionnel, ben, c'était dégueulasse. Forcément, ça finissait en, si tu veux, très très mal. Et quand j'ai rencontré Delphine, c'est moi qui t'ai choisi, c'est pas l'inverse. Voilà, mais non, mais quand on s'est rencontrés et que tu m'as choisi, on va dire ça comme ça. je rétablis parce que il faut. Mais en gros, je le sentais pas. Ouais. Je le sentais pas. Pourquoi? Je me disais, putain, elle a des belles études, elle est intelligente, elle a de l'empathie, tu vois, elle a tout ce qu'il faut. Mais je le sens pas. Hein, c'est pas pour moi. Et heureusement que j'avais déjà avancé suffisamment dans ma compréhension de l'inconscient. Et je me suis dit, ça, c'est parce que dans ma tête, je suis un gros loser, que là, j'ai quelqu'un qui peut vraiment m'apporter de la valeur, qui peut me faire progresser, qui peut transformer, en gros, ma réalité. Et donc, naturellement, ben, mon inconscient, il disait, surtout, va pas avec elle, c'est le diable. Et oui. Et parce que tous les gens qui étaient avec moi à l'époque, ben, ils regardaient Delphine, ils disaient, mais elle va te casser ton activité, elle va te faire du mal, elle est mauvaise, elle est malveillante, elle est machin. Son âme, hein, carrément. En tout cas. non, c'était incroyable. C'est incroyable parce que les gens qui étaient avec moi étaient configurés comme moi, tu vois. Et Delphine, elle était différente et elle avait vu du potentiel chez moi et peut-être autre chose, tu vois, que j'étais sympa, j'étais rigolo, j'allais lui apporter plein de choses, que j'étais le mec le plus cool de la vie, tu vois. Enfin non, mais voilà. Bon, mais ce que je veux te dire, c'est que c'était son problème, elle avait fait son choix, mais moi, si j'ai réussi à venir avec elle et donc à me dépasser, parce que j'en avais pas envie au départ. C'est là où je veux aller. C'est là où je veux vraiment vous expliquer. J'avais pas envie d'être avec elle au départ. Parce que mon inconscient, il disait, mais non, mais tu es bien dans ton système, dans ton truc. Et si j'avais pas compris qu'elle me proposait une autre alternative, quelque chose qui me faisait peur, tu vois, j'y serais jamais allé. Et tu vois. Et donc, des fois, il faut tenir bon contre son propre ressenti. Parce que ça va aller, tu vois, si tu suis ton ressenti, tu fais toujours la même chose. Est-ce que ça veut dire que du coup, une évolution ou un dépassement personnel nécessite de passer par une peur? Ah, toujours. Toujours. C'est si tu es dans ton confort, si tu refais toujours la même chose. Donc, tu es chef d'entreprise, tu fais 1 million de chiffre d'affaires à l'année. Si tu ne changes pas ce que tu es, tu feras toujours 1 million de chiffre d'affaires à l'année. Et donc, il va falloir accepter qu'il y ait quelque chose qui ne te plaise pas, qui soit rajouté dans ton activité. Et ça ne te plaît pas parce que c'est mal, ça ne te plaît pas parce que ben, ce n'est pas toi, ce n'est pas ton naturel. Ton naturel a déjà prouvé qu'il faisait 1 million de chiffres d'affaires à l'année. Et c'est chouette, 1 million de chiffres d'affaires à l'année. Mais si ça ne te suffit pas, ben, il va falloir que tu mettes un peu de stress dans ton activité. C'est normal. Et il y a une chose que moi, j'aimerais rajouter sur la chance, c'est quand on dit « j'ai jamais de chance », en fait, on met de la superstition là-dedans. En fait. C'est ce qui fait qu'il y a un truc extérieur qui fait qu'il y en a un qui va réussir et pas l'autre. Et en fait, la superstition, elle sert juste à justifier ce qui est inégal. Alors, on va voir sa coupe encore, hein, parce que c'est le même sujet. On va voir si c'est intégré ou pas, parce que je sens, on ne sait pas. Mais c'est le même sujet que tout à l'heure, c'est ce qui justifie l'inégalité si on se dit, ah ben si, il a de la chance, c'est pour ça que lui a réussi et pas moi. Et il y a un endroit où, malheureusement, non, et ça va rejoindre ce que tu fais, Nico, et ce que tu prônes, c'est que ce n'est pas la chance qui fait la différence. C'est OK, il y a des capacités, mais il y a le travail, la pugnacité, la résilience et le mindset. Il y a un truc où on dit, de toute façon, quoi qu'il arrive, et toi, tu as quand même cette énorme qualité-là, c'est quoi qu'il arrive, même si c'est difficile, j'y vais quand même. Et je vais bosser et je vais y arriver. Et on l'a dans certains sujets. Moi, j'ai eu le sujet parce qu'on m'a un peu reproché parce que j'avais fait des études, mais moi, j'ai expliqué. Je dis, moi, tous les étés, je bossais mes concours. Hein. J'allais pas en vacances. Bon, après, tu parles la personne qui va le plus en vacances, donc ça tombe bien quand même. Voilà. Et ça me demandait énormément de travail aussi pour la grègue, etc. C'est des journées où on n'a pas de vie, on passe notre. Et c'est comme ça, en fait. Mais c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Ça reste du travail. Et ça, malheureusement,
on n'a pas envie de l'entendre. Parce qu'on a envie de, on a envie de te dire que c'est facile. On n'a pas envie de dire il faut bosser. Eh bien, si, il faut bosser. Mais on n'est pas obligé de bosser dans la lutte. C'est quand même ça le message positif. Ouais. On n'est pas obligé de lutter. On est obligé, on se pousse un peu, mais on peut travailler dans le plaisir. C'est quand même la base aussi, mais dans le plaisir, dans le sens, ok, c'est dur, mais je sais, encore une fois, j'ai tellement mon cap que je sais où je vais et quoi qu'il arrive, c'est pas grave parce que le chemin, enfin, le bout du chemin, il est tellement chouette que ça, je suis capable de l'accepter et d'avoir cette mentalité-là, justement, pour dire, et le mindset de Gadon, c'est exactement ça, hein, ça sent. Parce que les athlètes ou les grands sportifs ou d'autres ou les chefs d'entreprise, ils le savent, hein, le chemin, il est pavé d'obstacles, et ben c'est pas grave, ils y vont quand même. Hein. Magnifique, magnifique, magnifique. Moi, je ne peux qu'inviter les gens qui vous ont entendu ce soir à vous suivre, notamment sur les réseaux sociaux, sur Accepter de changer. Et si vous voulez aller au-delà sur la question de l'inconscient, parce qu'on vient vraiment de mesurer là, à travers cette heure à quel point... Tout se joue, ou en tout cas une grande partie se joue là, ben, n'hésitez pas à vous rapprocher de Pascal et Delphine pour voir ce qu'il en est et progresser. Il me semble qu'il n'y aurait-il pas un petit livre qui va sortir bientôt là. J'ai une intuition, je travaille mon intuition en ce moment. Elle est bonne, Nicolas. Allez-y. Vas-y, Pascal. Ah non, vas-y, Delphine, attends. On a décidé, en fait, depuis... Bon, il y avait un projet d'écriture de Pascal depuis un moment, mais on l'a transformé, toujours pareil, là, on est dans le même sujet. On l'a transformé pour en faire un guide pratique pour, justement, éviter les pièges de la transformation. On est dans la logique de la transformation. Et pour nous, il y a deux choses, mais fondamentales, que tout le monde devrait connaître. C'est un, les erreurs, les pièges à éviter du style les miracles, la chance, la volonté, ça fait tout. Non. Parce qu'on l'a dit, il y a du travail, il y a de l'acquis, il y a de l'inné, il y a plein de choses en fait. Hein. Et c'est donc ces premiers pièges qu'il faut faire sauter une bonne fois pour toutes pour se foutre la paix aussi et se donner les conditions de réussir. Et le deuxième, justement, c'est les conditions de réussite basiques, fondamentales. Ça ne fait pas tout, mais en tout cas, déjà, ça donne un bon point de départ et notamment la compréhension de l'inconscient. En fait, dans ce livre, qu'on essaie de rendre tout public en fait, hein, c'est de dire eh ben voilà, si déjà vous comprenez comment fonctionne votre inconscient, comment fonctionne la création d'événements à l'extérieur, etc., etc., mais ça va vous donner une vraie liberté, une vraie autonomie dans votre réel. Vous allez comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Vous pourrez pas forcément tout faire d'un coup de baguette magique, ça n'existe pas la magie non plus, évidemment. Mais en tout cas, ça vous donne de la liberté et vous là vous dites ok, il y a ça qui se présente à moi, justement le truc du leader, hein, c'est ma décision en conscience et dans ma vision, ça se présente, quel choix je fais en conscience, hein, dont tu parles à chaque fois, c'est exactement ça. Mmh. Ouais, chouette, hâte de le lire. J'ai accédé déjà, j'ai mes entrées à des petits extraits, un petit douce page hyper intéressant, il faut qu'on s'en reparle d'ailleurs. Donc je peux que vous inviter à aller le voir. Sincère merci d'avoir été là, d'avoir donné de votre temps, parce que je sais qu'en ce moment, vous êtes tellement sollicité que c'est difficile de trouver du temps, donc merci énormément. Et j'ai pas la voix qui chevrotte, donc c'est bien d'avoir été d'avoir été présent ce soir, de partager, de nous éclairer, parce que l'inconscient, on a parfois l'impression que c'est ésotérico-spirituel, je sais pas quoi, et qu'en fait il n'y a pas de fond derrière. Et ce qui était très riche et intéressant, c'est que vous avez pu nous montrer en quoi justement on peut développer notre leadership en mettant de la conscience sur ce qui se joue, sur ces sujets de quand je surestime mes capacités, relativiser cette illusion de la chance, observer notre réel. Il y a eu énormément de clés très pratiques, très concrètes. N'hésitez pas, comme d'habitude, à faire un petit coucou et à remercier. Ben, c'est déjà parti. Le titre du livre, vous l'avez, vous pouvez le communiquer ou pas ? Objectif métamorphose, normalement, si ça ne change pas. Mais c'est on essaye, on cherche une maison d'édition, on démarre ça là, cette semaine, si tu veux, donc peut-être que ça va changer, mais c'est le... Oui, normalement, on est là-dedans. C'est vraiment, de toute façon, le but, c'est la métamorphose, c'est la transition, le changement, et c'est les basiques à connaître pour changer. D'ailleurs, tant qu'on y est, s'il y a des gens là, dans la centaine de personnes qui regardent, et ceux qui regarderont en replay... qui connaissent des maisons d'édition qui peuvent... Allez-y c'est le moment de se manifester. C'est vrai que écrire un livre, c'est magnifique parce que c'est un enjeu de contribution, de partage et de vulgarisation et que c'est pas si simple par les temps qui courent, même quand on a des experts de qualité comme vous, que de se faire publier par des maisons d'édition. Donc, je vois qu'il y a plein de remerciements là qui arrivent, qui sont justifiés. N'hésitez pas à écrire également dans le chat ce que vous retenez de particulier pour commencer à y mettre de la conscience, ce que vous allez implémenter, quelles sont les actions que vous allez
mettre en place à partir de maintenant. Je cherchais un verbe. Merci énormément, Nico. Parce que ça aussi, moi, j'avais participé au premier sommet. Exact, absolument. Et là, c'est un grand plaisir de revenir avec Delphine, parce que c'est aussi une grande capacité du leader que de partager comme ça. Et je sais qu'on te le reconnaît, ça. Ça, c'est quelque chose où même dans le... On le voit des fois dans les commentaires des vidéos, mais c'est une vraie capacité de leader, et ça, c'est inspirant. Ça se partage, et moi, me touche très particulièrement. Ouais, merci beaucoup. Et en plus, clin d'œil, on grandit depuis le précédent sommet. J'ai le sentiment qu'on a grandi et qu'on grandit et qu'on évolue et qu'on avance, et que du coup, on va toucher encore plus les gens et partager ce qui nous tient à cœur. Donc, c'est magnifique. Merci à tous les deux de l'intervention. Merci à tous les deux d'être là quand c'est nécessaire. Plein de bonnes choses dans vos actuels projets. Et puis, écoutez, chers amis du sommet Leader Time, demain, on continue avec, à 17h, Martin Daigle et Nancy Doyon, qui sont des coachs spécialisés sur la parentalité. Et quiconque est parent sait à quel point il est indispensable de révéler du leadership en nous, face aux challenges qui nous sont proposés. Et puis ensuite, on a l'expert en France de la motivation, Franck Desroches, qui sera avec nous. J'ai beaucoup de plaisir également à le retrouver. Je vais donc à toutes et tous vous souhaiter une excellente soirée. On se retrouve demain pour continuer. Je vous remercie d'être présents et je vous dis à très vite.